Voilà, je vous propose sans plus tarder de débuter nos travaux. La séance étant ouverte, je dois excuser Mme Van de Voorde pour raison de santé. La Cour constitutionnelle, quant à elle, notifie au Parlement les arrêts qu'elle a récemment prononcés, ainsi que ses recours en annulation. Et comme à l'accoutumée, vous aurez la liste complète des notifications en annexe de notre rapport. Alors, sur les questions écrites, la liste des membres ayant adressé des questions écrites au gouvernement depuis la dernière séance va être reproduite en annexe de notre compte rendu. Sur les dépôts, nous avons reçu un projet de décret modifiant un autre décret, en l'occurrence le décret du 21 février 2019 qui renforce la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en communauté française, pour y intégrer un chapitre 2/1 relatif au traitement des données à caractère personnel, c'est le document 198. Ce projet de décret a été envoyé à la commission de l'enfance, santé, culture, médias, droits des femmes. On a également reçu un rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des allocations d'études repris en document 203. Ce rapport a été envoyé à la commission de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale, de la recherche, des hôpitaux universitaires, des sports, de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de Bruxelles. J'en arrive au pas de course à l'ordre du jour et à son approbation. Nous avons l'article 7 de notre règlement qui, conformément à sa lecture, permet à la conférence des présidents qui s'est réunie le 11 février de procéder à l'élaboration du dit ordre du jour. Entre-temps, messieurs Di Mattia, Douette, Florent, madame Gauchy, messieurs Janssens, Suarez Dial ont déposé une proposition de décret qui vise à l'octroi en 2021 de moyens supplémentaires qui permettent de couvrir les surcoûts de fonctionnement liés à la gestion de la crise sanitaire pour les écoles de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaires réduits, ainsi que d'apporter un soutien éducatif psychosocial renforcé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé. C'est repris dans le document 200. Je vous propose donc d'ajouter la prise en considération de cette proposition de décret à l'ordre du jour de notre séance. Y a-t-il une demande de prise de parole à ce sujet? Oui, Monsieur Courard. Oui, Monsieur le Président, j'aurais souhaité que nous ajoutions à l'ordre du jour de cette séance la proposition de résolution qui vise à demander la libération de la journaliste chinoise Zhang Zhang et soutenir, bien entendu, la liberté de presse et la liberté d'expression. Je crois que c'est un sujet d'actualité qui a une certaine forme d'urgence. J'y reviendrai, si vous le permettez, ultérieurement, mais j'entends votre demande. Ok, merci. Alors, s'il n'y a pas de demande sur ce point précis, j'en arrive au point suivant. En l'occurrence, Madame Gréoli, Monsieur Magdalens, Antoine, Madame Schins, Monsieur Collin, Madame Maison, Monsieur Dispa, Bastin ont déposé quant à eux une proposition de décret qui modifie le décret du 16 novembre 2007, lui-même portant sur le programme prioritaire des travaux en faveur de bâtiments scolaires, de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, je poursuis, de l'enseignement artistique à horaires réduits, des centres psychomédico-sociaux, ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la communauté française, c'est le document 102. Je vous propose donc d'ajouter la prise en considération de cette proposition de décret à l'ordre du jour de notre séance. Y a-t-il une demande de prise de parole? Pas davantage. Donc, nous allons procéder ainsi. Alors, mesdames Bernard, Van de Voorde, monsieur Mugema-Gango, mesdames Gropi, Pavé, monsieur Kerkhoffs, Herman, Nemes ont déposé une proposition de décret qui vise à limiter le Minerval à 175 € dans l'enseignement supérieur. C'est le document 202. Je vous propose donc d'ajouter la prise en considération de cette proposition de décret à l'ordre du jour de notre séance de ce jour. Y a-t-il une demande de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, nous allons donc procéder de la sorte. Monsieur Dirupo, monsieur Wall, Dahl, mesdames Pécriot, Skepmans, monsieur Evart,
ont pour leur part déposé une proposition de résolution visant à faire reconnaître les vaccins Covid comme un bien universel et à soutenir une distribution universelle et équitable des vaccins contre la Covid-19. C'est le document 204. Je vous propose donc d'ajouter la prise en considération de cette proposition de décret à l'ordre du jour de notre séance. Y a-t-il une demande de prise de parole ? Oui, je vous en prie, Madame Gréoli. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'entends certainement encore les paroles de Monsieur Segers qui résonnent dans ses vœux pieux de début d'année. Cette résolution, tout à fait utile et tout à fait justifiée, est en fait calquée sur un texte écrit au conseil d'administration de l'APF et a fait l'objet d'une carte blanche signée par les membres de l'APF de tous les partis représentés ici dans ce Parlement. Et donc, alors que nous sommes ici sur un texte particulièrement important, un texte qui rassemble normalement, au-delà de tout clivage, je dois justement constater une fois de plus, Monsieur le Président, que la majorité parlementaire n'a pas l'élégance ni l'amabilité de le proposer à la cosignature de l'opposition. J'en prends note et je le regrette. Merci. Alors, pour cette demande de prise en charge, Monsieur le Madame Président, Bernard, je vous cède la parole également. Si vous le permettez, même remarque de la part du groupe PTB. Je trouve qu'effectivement, dans la mesure où tous les partis présents dans ce Parlement sont aussi affiliés à l'APF, que l'APF a voté ce texte dans sa dernière Assemblée générale, je pense qu'il était légitime de inviter l'ensemble des partis à signer ce texte, et je regrette, comme Madame Gréoli, que ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. Merci pour vos deux interventions qui appellent à la courtoisie parlementaire. Et donc, cela étant dit, le projet de résolution est inscrit à notre ordre du jour. Nous allons maintenant nous pencher sur une proposition d'ajouter une prise en considération de une proposition qui est, je regarde parce que j'avais... Donc, pour être concret, Madame Deray, Madame Chabert, Monsieur Gardier, Monsieur Di Sabato, Madame Pécriot, Madame Galland, Madame Gropi ont déposé une proposition de résolution. Elle porte sur la lutte contre la précarité menstruelle dans l'enseignement obligatoire et supérieur. C'est le document 205. Je vous propose donc d'ajouter la prise en considération de cette proposition de décret, de proposition de résolution à notre séance. Est-ce qu'il y a un problème ? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. À propos de ce texte, je ne sais pas si on le prend maintenant ou un peu plus tard, mais en tout cas, la question qui se soulève, c'est que le sujet a été abordé à l'occasion de deux textes cette semaine-ci, et il a été conclu dans la commission que les deux textes seraient traités en commission enfance, culture, droits des femmes et médias, et donc la proposition serait que ce texte puisse se joindre à l'analyse de ces textes et rejoigne alors la décision qui a été faite en commission cette semaine. Bien, nous allons donc soumettre cette proposition à la conférence des présidents pour son examen. Mais j'en arrive à ce que M. Courard a soulevé, il ne doit pas refaire la même intervention, puisqu'il y a une demande qui est formulée pour discuter la résolution relative à la libération immédiate de la journaliste Zhang Zhang pour soutenir la liberté de presse, la liberté d'expression, l'accès à l'information et le droit à un procès équitable des défenseurs des droits humains. Alors, c'est le document 197. Je rappelle que pour être recevable, la demande doit conformément à l'article 39, paragraphe 3, être appuyée par 9 membres au moins. Est-ce que c'est le cas ? Je ne vois pas d'opposition, donc je suppose qu'il n'y a pas de difficulté. Puisque personne ne s'oppose à la demande de discussion, je vous propose d'ajouter donc la discussion et le vote de cette proposition de résolution à l'ordre du jour de notre séance. Il n'y a plus de demande de prise de parole, donc l'ordre du jour ainsi modifié est adopté. Nous en arrivons aux questions d'actualité. Les premières questions sont traditionnellement adressées
au ministre-président, M. Géolet. Et la toute première question est une question de M. Lomba portant sur les actions des secteurs non marchands pour rappeler la demande de négociation pour des accords du non marchand. Je vous cède la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre-président, vous le savez, les actions et les contacts sont en cours pour rappeler le combat mené en front commun par le secteur non marchand sur la nécessité d'un nouvel accord, mais aussi d'être considéré comme essentiel, et le mot est particulièrement bien choisi, vous en conviendrez. On se réjouit encore une fois de l'octroi de 60 millions d'euros pour la culture, 20 millions d'euros pour l'enfance et 8 millions d'euros pour la jeunesse et pour l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire. Il nous semble donc aujourd'hui nécessaire, toujours dans cet esprit, tout d'abord d'envoyer un signal clair de reconnaissance sous forme d'un soutien exceptionnel aux secteurs les plus mobilisés durant cette crise. Il nous semble tout aussi nécessaire d'entamer une négociation sur un nouvel accord du non-marchand dans l'esprit des accords antérieurs, pour lequel d'ailleurs une évaluation sera bien utile. Et ce, tant pour le secteur socio-sanitaire que pour le secteur socio-culturel. Alors, Monsieur le ministre-président, pouvez-vous nous indiquer votre réponse aux récentes interpellations du secteur et nous dire si un agenda a été fixé, et pouvez-vous nous éclairer sur le travail qui est programmé dans les prochaines semaines? Je vous remercie. Monsieur le ministre-président, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Lomba. C'est clair que tous les secteurs non marchands de nos compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont considérés comme essentiels. Et c'est pourquoi, et vous l'avez dit, peut-être pas de façon exhaustive, mais pourquoi nous avons décidé au niveau du gouvernement de consacrer face à la crise et face à l'urgence 89 millions d'euros en 2020 et 150 millions d'euros en 2021 pour soutenir les secteurs, mais aussi pour soutenir l'emploi dans ces secteurs. Deuxième élément, c'est, vous connaissez comme moi les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls, d'autres autorités publiques ont aussi des finances difficiles, mais les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont particulièrement difficiles parce qu'aussi elles dépendent de dotations d'autres niveaux de pouvoir et notamment du fédéral. Donc nous devons être prudents et c'est pourquoi nous avons quand même voulu donner un signal de 8 millions d'euros en 2021, ce qui a été décidé pour des négociations sectorielles avec les compétences notamment de la ministre Linard et de la ministre Glatini. Et à ce jour, le Front commun n'a pas souhaité se mettre, je vais dire, autour de la table, liant cela aux négociations plus transversales, notamment l'évolution barémique, pour être clair, mais avant qu'il y ait d'autres mesures aussi dans leur cahier de revendications. Et la dernière réunion tripartite que nous avons eue le 15 janvier dernier n'a pas permis, c'est vrai, d'avoir un accord, que ce soit sur une formule pour mettre en avant les secteurs les plus touchés par la crise ou notamment des négociations transversales. C'est pourquoi, vous avez dit qu'ils manifestaient leur mécontentement cette semaine, nous les recevrons en front commun avec le gouvernement demain à 11h à l'issue du Conseil des ministres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lomba, pour votre réplique. Oui, bien, je me réjouis qu'effectivement, on parle bien de l'ensemble des secteurs concernés par du non-marchand. J'en prends acte aussi qu'il y a eu des rencontres et qu'il y a eu un accord pour se voir, en tout cas demain, et pour, je suppose, s'engager sur des discussions et sur une négociation. Je m'en réjouis, je le souhaite en tout cas, et je ne manquerai pas de revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, en question orale peut-être, pour vous demander comment les choses évoluent. Je vous remercie. Merci. Voilà qui clôt les questions posées à M. le ministre-président, puisque M. Louperteau ne peut pas être là pour poser sa question. Le deuxième ministre interrogé, c'est Mme Linard, en l'occurrence commençant par une question de M. Seghers sur la place de l'humour. M. Seghers. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on vit des moments difficiles en culture. C'est l'ensemble de l'écosystème culturel qui est fragilisé, on le sait.
cet écosystème touche en fait particulièrement certaines personnes encore plus que d'autres, les intermittents culturels bien sûr, les femmes aussi, les personnes racisées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une série de secteurs qui ne sont pas reconnus par la communauté française depuis des années et qui souffrent encore plus que les autres. Parmi ces secteurs, il y a toute la question de la reconnaissance de l'humour. L'humour, le rire, ça fait en fait pleinement partie de notre patrimoine, ça fait pleinement partie de notre culture, et pourtant, ça reste difficile pour des stand-uppers, pour des spectacles d'improvisation, pour des compagnies qui travaillent, par exemple, à la reproduction de classiques de manière drôle, eh bien, ça reste difficile de trouver leur place dans les politiques culturelles que la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place depuis des années. L'humour, c'est aussi ce qui nous permettra de passer à travers cette crise. On doit pouvoir continuer à rire. Et cette crise nous fait comprendre ça, que ces secteurs sont aussi essentiels, que toutes les personnes qui travaillent sur l'humour, qui travaillent sur le rire, ont besoin d'être reconnues. Ainsi, Madame la Ministre, nous avons déjà échangé dès la rentrée pour savoir quelle place vous pouvez faire. Et je lis dans la presse que vous avez mis en place un GT. Je souhaiterais vous entendre sur le travail que vous effectuez avec ce GT, mais également, je souhaiterais entendre l'état d'avancement aujourd'hui de cette possibilité qui s'offre à l'ensemble des politiques culturelles de se dire, mais tiens, oui, effectivement, un improvisateur est un artiste, un stand-upper est un artiste. Ils ont le droit d'avoir leur place et leur reconnaissance par l'ensemble de notre société. Ça me paraît vraiment important qu'on puisse avancer là-dessus. Ce serait un excellent tournant et un très bon tournant pour l'ensemble de la population. Je vous remercie pour la réponse à ces questions. Merci. Madame Lina, je vous en prie. Monsieur le député, le monde de l'humour a fortement évolué ces 10 dernières années. On sait qu'il a pris une place grandissante dans spectacles et autres rencontres culturelles. On a vu arriver du stand-up, on a vu arriver de l'improvisation, déjà même plus qu'il y a 10 ans, des scènes ouvertes, et on a vu qu'il y a un engouement réel du public pour toute cette diversification d'offres humoristiques, culturelles humoristiques qu'on peut rencontrer en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ça permet régulièrement à des publics qui n'ont jamais mis un pied auparavant dans un centre culturel ou dans un théâtre d'y aller et de rentrer en contact avec ce monde qu'est la culture, les arts de la scène dans la culture. Et donc il se devait, je pense, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de prendre cela en compte, de s'intéresser au monde de l'humour et de voir de quelle manière on va pouvoir l'intégrer dans nos politiques culturelles. Et donc effectivement, après un premier tour exploratoire, appelons-le comme ça, on a proposé une note d'orientation au gouvernement et on a créé un groupe de travail qui est composé de différentes composantes, on va dire. Il y a des comédiens, il y a des acteurs privés, il y a des théâtres subventionnés, il y a évidemment l'AGC, hein, notre administration de la culture, et il y a déjà eu 2 réunions de ce groupe de travail, puisqu'on avance, on essaie d'en tenir au moins une par mois, malgré toute la tâche et le travail qui nous incombe aujourd'hui. On essaie d'avancer malgré la gestion de crise, parce que ça nous paraît un enjeu important, et donc il y a deux pistes pour le moment qui sont sur la table. La première, c'est d'élaborer une cartographie du secteur de l'humour. Donc, c'est un pan du travail. Et le deuxième pan sur lequel ce groupe va se pencher, c'est faire des recommandations pour voir comment mettre en place, comment intégrer le monde de l'humour dans nos politiques culturelles à l'avenir. Je vous remercie pour votre question. Monsieur Segers, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Saluer également la structuration d'une nouvelle fédération du monde de l'humour, qui démontre en fait que dans cette crise, tout l'écosystème est fragilisé, mais l'écosystème culturel est également extrêmement résilient. Et donc, l'idée de voir émerger et de voir soutenir ces émergences, de dire « nous avons besoin d'être reconnus », ce sont des signaux positifs. Ça me paraît extrêmement important que le gouvernement et que l'ensemble des mandataires politiques continue à avancer aussi dans des réformes pour pouvoir identifier les invisibles, identifier ceux qui pourtant sont aux côtés de nous, qui nous font rire, par exemple. C'est extrêmement important
Tous les matins, on se réveille, on a besoin de rire, on a besoin d'eux. Et donc cette idée de pouvoir continuer à reconnaître certains et de pouvoir le faire, pas que dans l'humour, dans tous les secteurs, ça me paraît extrêmement important. Nous devons garder cette méthode systémique de pouvoir aider l'invisible et je trouve ça extrêmement extraordinaire qu'on puisse se dire qu'en sortie de crise, on reconnaîtra le monde de l'humour. Je vous remercie. Merci. Je me tourne maintenant vers Madame Bernard, en l'occurrence qui va nous parler de la mobilisation de la coalition Faire Front en faveur de la culture. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce lundi, une soixantaine de représentants de la coalition Faire Front se sont rassemblés devant votre cabinet pour faire part de leurs revendications et aussi de leur soif de culture à l'attention des gouvernements fédéral et francophone. À cette occasion, votre chef de cabinet a reçu une délégation qui a remis une lettre ouverte. Cette lettre ouverte, elle parle bien sûr de l'aspiration à la réouverture du secteur que nous partageons tous, pourvu que les conditions sanitaires nous le permettent, mais elle aborde aussi un aspect capital pour la survie et la relance du secteur. Je cite « Les artistes payent un très lourd tribut depuis le début de la crise. Depuis près d'un an, la précarité les touche de plein fouet, sans qu'ils reçoivent le même soutien que des secteurs que, visiblement, vos gouvernements ont jugés plus essentiels. » Fin de citation. C'est en quelque sorte ce que disait aussi Thomas Gunzig ce matin dans sa chronique sur la RTBF, quand il évoquait la relance du secteur, saluée à grand renfort de communication par tous les ministres de toutes les tendances de la majorité, mais face à des travailleurs décimés par la famine. Car en effet, des travailleurs sont laissés sur le carreau, et il faut bien reconnaître qu'en communauté française et en région wallonne, on ne se mouille pas beaucoup pour les sortir de la précarité financière. Alors mes questions, Madame la Ministre, avez-vous pris connaissance des revendications de la coalition Faire Front? Quelle réponse votre cabinet a-t-il apporté à la délégation qui a été reçue? Et allez-vous faire en sorte que des aides directes soient mises en œuvre pour soutenir tous les travailleurs et travailleuses de la culture qui ont jusqu'à présent été laissés sur le carreau? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci. Madame la Ministre, pour votre réponse. Madame la députée, évidemment, oui, nous avons aussi soif de culture et nous avons rencontré ces représentants qui venaient avec des préoccupations totalement légitimes. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis un an, on essaye d'accompagner le secteur de la culture, c'est de faire face non seulement à l'urgence immédiate, mais aussi de construire ce que pourrait être la suite. Donc on a entendu cette soif de culture qui se trouve en même temps chez le public, chez la population, soif de culture, parce que la culture, c'est un moment souvent de détente, mais c'est aussi un moment qui fait sens, mais aussi tout simplement parce que la culture, c'est un fondement de notre démocratie. La culture est essentielle, que ce soit dans ses aspects des arts de la scène, que ce soit dans les aspects liés aux livres, que ce soit dans ses aspects liés aux musées ou dans l'éducation permanente. Nous avons besoin de culture, nous tous, et en ce sens, oui, nous avons soif de culture. Mais vous avez raison de dire que les professionnels aujourd'hui, certains professionnels de la culture ont encore des difficultés à faire face et plus que ça, certains secteurs en fait culturels n'ont pas pu reprendre contrairement à d'autres et donc il faut pouvoir aujourd'hui donner des réponses autres. Après un an de crise, je pense qu'on peut se dire qu'on doit mettre en place aujourd'hui des mesures qui font plus sens. On ne gère pas une crise après un an de la même manière qu'on l'a gérée en début. Les choses ont changé. On sait que la question de la santé mentale aujourd'hui est un enjeu fondamental dans notre société, sur tous les publics et en particulier les jeunes, mais pas seulement. Et donc, les réponses qui doivent être données aujourd'hui doivent être un peu différentes. Quand j'ai rencontré les experts cette semaine, les experts du GEMS, ils disaient aussi que la logique de travail par activité a du sens, des activités, ce qui se fait en intérieur, en extérieur, ce qui se fait avec masque, sans masque, ce qui se fait avec tel public ou autre public, peut être aujourd'hui prise en compte plutôt que de travailler, et c'est aussi ce que je partage avec la logique des robinets, c'est-à-dire que pendant tout un temps, et c'était nécessaire dans certains contextes, on ouvrait certains robinets, par exemple, pour préserver l'école. Ça a été important pour tout le monde, mais du coup, les autres robinets étaient fermés. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer comme ça. On a besoin de travailler plus par une logique de reprise progressive pour tout le monde, prudente,
mais progressive. Et donc, il y a eu des rencontres avec les experts. Les trois ministres des communautés de la culture ont fait une proposition au Codeco. J'espère qu'ils pourront s'en emparer. En tout cas, on espère que le Codeco de ce vendredi pourra donner des indications sur les protocoles et sur le calendrier que l'on doit suivre par la suite. Et donc, sur les aides directes, j'ai répondu en long et en large hier à votre collègue. Donc, je peux répéter sans cesse la même chose, mais apparemment, on n'écoute de toute façon pas ce qu'on dit dans les rangs des communistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Pour votre réplique, Madame Bernard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Et donc, bien sûr que nous aussi, nous voulons travailler pour que la culture retrouve sa place dans la société. Nous avons besoin, on a besoin du sens qu'elle nous apporte. Vous avez travaillé à des protocoles de reprise, c'est très bien, mais cette reprise, ce n'est pas ici, en communauté française, qu'on a les manettes pour pouvoir en décider. Par contre, sur les aides directes, vous dites que vous avez répondu, et les réponses que nous avons entendues jusqu'à maintenant, c'est deux ordres. Une, c'est de dire « nous ne sommes pas compétents, c'est la région wallonne qui vous renvoie la balle ». Et donc, il y a un jeu de ping-pong avec au centre des travailleurs qui manquent toujours de ressources. Une deuxième chose, vous avez dit « on a fait des appels à projets », mais ça, c'est des concours. Pour savoir qui va rentrer le meilleur projet, lui, il va être financé et l'autre ne va pas l'être. C'est inacceptable dans les conditions qu'on connaît maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'on a une proposition de résolution qui vous demande, avec vos collègues de la région Wallonne, de trouver une solution pour enfin aider les gens. Nous aurons encore l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer maintenant aux questions adressées à Mme Glatini. Alors, vous êtes championne du nombre de questions aujourd'hui. 8 questions. En l'occurrence, Mme Glatini, la première vient de M. Collin sur le désarroi des marathoniens et runners francophones. M. Collin. Merci, Monsieur le Président. On pourrait parler en fait du désarroi de tous les sportifs. L'ensemble du monde sportif est inquiet, impatient, et on peut aussi dire fâché. Alors, cela s'est encore vu hier, puisque a été publiée une carte blanche qui est signée par l'Association interfédérale du sport francophone, par l'Association des établissements sportifs et par l'ensemble des fédérations sportives du pays, qui en appelle, je cite, à une meilleure prise en compte du sport par les autorités. Mais c'est déjà difficile pour le sport, et de surcroît, le sport francophone, si je puis dire, doit se payer des incohérences et victime d'interprétations différentes au sud par rapport au nord du pays. Et l'exemple qui m'amène devant vous aujourd'hui est celui des marathons et des trails. On sait que ce sont des sports de plus en plus populaires. C'est vraiment le sport pour tous. Et on sait qu'on a des acteurs actifs au niveau francophone, notamment la SBL Sport et Santé, avec Jean-Paul Bruvier, par ailleurs fondateur du magazine Zatopec. Cette association mène une action déterminée pour la pratique du sport. Et il y a toute une série de rendez-vous, et bien sûr, qui avaient été programmés et qui ont dû être annulés, alors qu'en Flandre, des rendez-vous de ce type ont eu lieu et vont avoir lieu. Pourquoi ? Parce que la Flandre a été créative et a permis des courses où les sportifs doivent s'inscrire préalablement dans des plages horaires qui sont définies et avec des balises, 90 participants maximum par demi-heure et bien entendu 4 coureurs qui partent en même temps, le tout est entériné dans un protocole clair, ce qui fait que des événements sportifs ont eu lieu récemment à Maasmechelen, qu'un autre est prévu à Gand, mais par contre tout cela est interdit pour les organisateurs francophones et sur le territoire, notamment de la Wallonie. C'est évidemment incohérent, c'est un préjudice à la fois pour les sportifs, mais c'est aussi un préjudice économique, parce que ce sont des acteurs économiques également qui organisent de tels événements. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais vraiment que vous, aujourd'hui, vous puissiez dire que vous avez adapté le protocole et que vous avez un message positif pour permettre aux organisateurs de programmer, dans les semaines et mois qui viennent, les événements qu'ils ont prévus.
Voilà, merci Madame la Ministre, à vous pour votre réponse. Merci Monsieur le député pour votre question. Je pense que c'est devenu un sport national de comparer ce qui se fait au nord et au sud. Et donc mon collègue Ben Weiss m'a indiqué qu'il avait exactement les mêmes critiques de son côté, selon qu'on serait trop rigide ou trop laxiste en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Ici, nous faisons rigoureusement la même chose au nord et au sud. Je veux peut-être rappeler que je n'ai pas eu l'occasion d'être trop rigide ou trop laxiste. Ça dépend un petit peu des critiques qui me sont formulées. Mais ici, ce serait trop rigide puisque je n'ai pas reçu le protocole en question. Il n'a pas été accepté par les autorités locales. Donc moi, je n'ai pas été avisée de ce protocole. Simplement, je veux rappeler que ce protocole, il y a des règles qui sont basées sur, évidemment, qui sont reprises dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020. Et donc, cet arrêté ministériel, il est reflété dans notre propre protocole et dans le protocole flamand. Que dit-il ? Il dit qu'une organisation sur la voie publique doit être autorisée par les autorités compétentes sur la base du COVID Risk Event Model. Par ailleurs, les compétitions professionnelles sont autorisées sur la base d'un protocole qui doit être autorisé par la ministre. Et il y a toujours la possibilité de faire du sport à 4 personnes, pratique libre individuelle. Donc, j'ai pris contact avec M. Bruvire puisque j'avais découvert son interpellation dans la presse et je lui ai indiqué que, bien évidemment, il lui appartenait, il lui incombe de préparer un protocole. On peut bien sûr l'aider à préparer celui-là et j'ai mis à disposition mes services. Je pense qu'une source d'inspiration pourrait être, par exemple, le challenge jogging en province de Liège, qui est organisé avec l'autorisation des autorités communales et de la province de Liège, et qui prévoit non pas une concentration de l'événement sur une journée, mais qui prévoit des départs échelonnés, aussi bien sur le plan temporel que sur le plan géographique. Il y a un enregistrement de la performance via une application, donc c'est bien un challenge, et ceci a reçu évidemment l'autorisation des autorités communales et de la province de Liège. Il y a une étape à Chaudfontaine, une étape à Vielsalm, une étape également à Liège et à Serein. Donc vous le voyez, il existe bien des possibilités en Fédération Wallonie-Bruxelles de pouvoir pratiquer de tels sports. Et donc nous n'avons aucune différence par rapport à la Flandre. Et bien évidemment, nous travaillons sur la possibilité de reprendre les compétitions amateurs avec du public comme nous les avons connues dans le passé. Évidemment, il faudra tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Collin, pour votre réplique. Les informations qui ont été communiquées, Madame la Ministre, indiquaient que les autorités locales renvoyaient Monsieur Bruvier vers l'interprétation que vous faisiez de l'arrêté ministériel. Donc, nous sommes en désaccord à ce sujet, mais ce qui est important, c'est l'avenir. Vous dites que c'est un sport de comparer ce qui se passe en Flandre et de comparer ce qui se passe en communauté française. Ben, c'est la moindre des choses que les citoyens se sentent interpellés. Lorsque quelque chose est permis à Maasmechelen et qu'à viser à 20 km de là la même compétition, la même organisation est interdite, évidemment que ça pose question. Et donc, je vous demande vraiment de prendre les choses en main, de rassembler les organisateurs francophones et de leur donner la possibilité, comme cela se passe en Flandre, de pouvoir aussi programmer les événements. Ils en ont besoin. Et si ce n'est pas maintenant qu'ils lancent l'ouverture aux événements futurs qu'ils comptent organiser, eh bien ces événements, de nouveau, ils vont tomber à l'eau. Et ce sera pertes et profits, non seulement pour les sportifs francophones, pour ceux qui fréquentent notre région, et aussi pour les organisateurs qui sont les acteurs économiques. Merci, Monsieur Collin. Donc, nous allons passer maintenant à un train de questions regroupées, à commencer par Monsieur Di Mattia sur la journée d'action des centres de jeunes. Monsieur Di Mattia. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce 24 février, les centres de jeunes qui regroupent les maisons de jeunes, les centres de rencontre et d'hébergement et les centres d'information des jeunes ont appelé une journée d'action en faveur de la jeunesse francophone belge en détresse croissante. En gros, le secteur désire agir plus vite pour permettre aux jeunes d'être hors de chez eux, dans des espaces où ils pourront être accompagnés pour recréer des liens et se projeter dans des initiatives citoyennes de la société post-Covid. Aujourd'hui, le secteur est aussi demandeur d'indicateurs non seulement pour la répartition de l'aide prévue, mais aussi pour les conditions de réouverture, les protocoles sanitaires,
avec bien entendu les vacances de Pâques en point de mire. Madame la ministre, trois questions très simples. La première, quelle réponse apportez-vous à cette journée de mobilisation et au message qu'ils ont voulu porter à votre attention ? Figure-t-il parmi vos intentions de mener d'autres actions qui permettront aux jeunes de fréquenter les lieux d'accueil ? Et puis, deuxième et troisième question. La deuxième, ça concerne l'évaluation. Est-ce qu'elle est prévue sur l'impact de la crise sanitaire sur le secteur ? Vous savez sans doute que le secteur est techniquement en difficulté pour évaluer lui-même l'impact de celle-ci. C'est lié à des conditions techniques et structurelles. Pouvez-vous apporter des garanties tant en matière de plan quadriennal, mais aussi en matière du gel du volume d'activité ? Je sais que vous avez donné des garanties verbales pour les années 2020 et 2021, mais qu'en est-il pour les années qui termineront le plan quadriennal ? Je pense que c'est une réponse de nature à pouvoir rassurer fortement le secteur. Et enfin, dernière question, pouvez-vous nous faire part des critères de référence pour une répartition équitable en fonction des besoins réellement avérés parmi les centres de jeunes ? Et comptez-vous solliciter, en vue du conclave budgétaire prochain, je crois que c'est en avril, des moyens supplémentaires pour rencontrer les besoins à la fois liés à l'urgence et à la nécessaire relance ? Je vous remercie d'ores et déjà. Merci. Alors, la question suivante posée par M. Janssen sur la réponse au cri d'appel de la jeunesse en détresse. M. Janssen. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, un des héros de mon adolescence est Joseph Valette, le personnage central de Hermann Hesse dans Le jeu des perles de verre, qui lui valut le prix Nobel de littérature. Le personnage, d'abord étudiant et puis professeur, incarne si bien la quête de sens, le besoin de réalisation de tout adolescent. Se réaliser, se construire, cela se vit, cela s'expérimente au quotidien et ne s'apprend pas à distance, l'entend-on presque dire. Et ce besoin de réalisation de soi est au cœur des actions de protestation initiées aujourd'hui par les centres de jeunes, comme l'a dit M. Di Mattia, sur tout le territoire francophone. Et ces centres dénoncent l'isolement social, l'anxiété, la perte de repères, les états dépressifs d'un nombre croissant de jeunes. Et les centres et ces jeunes reprochent aussi, je cite, à la majorité des responsables politiques de rester trop silencieux face à cette détresse. Alors que leur répondez-vous, Madame la Ministre ? Nous avons longuement parlé de santé mentale hier en commission éducation, mais la santé mentale dépasse bien évidemment le cadre et les murs des écoles et de l'enseignement obligatoire. Et vous qui entendez de nombreux interlocuteurs sur le sujet par vos compétences diverses liées à la jeunesse, que proposez-vous ? Qu'avez-vous déjà pu mettre en œuvre à cette fin ? Et comment répondez-vous à ce cri, à cette détresse de la jeunesse de manière transversale ? En commission éducation, hier, nous avons suggéré la mise en place d'un rapport parlementaire parce qu'en effet, un travail de fond semble réellement s'imposer. Et comment pouvons-nous tenter tous ensemble, dans le contexte actuel, mais aussi à moyen terme, à plus long terme, de recréer du lien, des perspectives, du bien-être, du sens pour les jeunes et la société dans son ensemble ? Je vous remercie. Merci. L'intervenant suivant est M. Cazier sur l'action menée par la FEF à la suite de la publication du rapport de la consultation étudiante sur la mise en place d'un plan de lutte contre la précarité. Je crois qu'il faut que Mme la ministre réponde avant, Monsieur le Président. Vous souhaitiez intervenir à ce stade-ci ? C'est juste, il y avait deux questions groupées et ensuite quatre. Je vous en prie, Mme la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les députés, pour votre question sur le cri de détresse lancé par les centres de jeunes. On comprend évidemment leur frustration puisque ce sont des porte-parole des jeunes et donc ils expriment la détresse, la souffrance psychologique de nos jeunes. J'ai également pu prendre la mesure de la détresse qui était aussi exprimée par les parents puisque j'ai rencontré les organisateurs notamment de l'opération Trace ton cercle qui souhaite remettre les jeunes à l'avant-plan de notre stratégie de sortie de crise. Et puis j'ai lu aussi tous les courriers reçus, notamment les courriers confinement 2, épanouissement 0 qui m'ont été adressés par plusieurs jeunes. Au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons fait un choix très clair de placer la jeunesse au centre de nos préoccupations et en particulier la poursuite des apprentissages. J'en veux pour preuve le fait que nous avons lutté tous ensemble pour maintenir les écoles ouvertes, que nous allons vers une reprise partielle de l'enseignement supérieur dès que possible et au plus tard le 15 mars pour les étudiants dans le supérieur avec bien sûr une jauge et un encadrement
notamment via la bulle de cote. Mais oui, nous allons bien vers une reprise progressive, comme ça a été demandé par les étudiants, les établissements. Nous avons également, nous plaidons également pour que les activités pour les moins de 12 ans, qui, comme vous le saviez, avaient été restreintes suite à une décision du 28 janvier, qu'elles puissent reprendre sans restriction. Nous avons aussi plaidé pour pouvoir augmenter les activités pour les plus de 18 ans et notamment pour augmenter la bulle qui est autorisée pour les activités en extérieur. Nous plaidons également pour que les plus de 18 ans puissent avoir la possibilité de suivre des activités dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et social, puisqu'en effet, le décrochage ne s'arrête pas à 18 ans. Nous voulons également donner des perspectives pour Pâques, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de stages qui se passent à Pâques, et donc il faut pouvoir voir s'il est possible de donner la possibilité d'avoir des nuitées, par exemple, et peut-être augmenter la taille des bulles. Donc la logique qui nous anime, c'est celle d'une feuille de route claire pour qu'on puisse avoir une perspective pour la jeunesse. La perspective aussi de sortir de la logique des vases communicants qui a été évoquée par Bénédicte Linard tout à l'heure, à savoir qu'on nous a demandé de faire des arbitrages entre les tranches d'âge et même. Et je pense que cette logique, elle a atteint ses limites maintenant et qu'il faut pouvoir réfléchir à ce que, au fait que peut-être les plus de 25 ans pourraient faire un geste de restriction de leur budget de contact pour permettre à notre jeunesse d'avoir un petit peu plus d'oxygène. Je pense que ce serait un pacte de la société dans son ensemble au profit de notre jeunesse. Et puis je veux rappeler aussi qu'il ne serait pas acceptable de faire un tri entre les patients qui sont dans les unités de santé mentale. C'est ce qui nous a animés jusqu'ici, c'était de tout faire pour éviter ce tri dans les unités de soins intensifs pour les patients qui sont atteints du Covid. Ici, il ne faut pas en venir à devoir effectuer un tri entre les jeunes qui entrent dans une unité de santé mentale. Donc ce serait évidemment inacceptable. Souligner aussi que ce qui nous anime, c'est un soutien au secteur jeunesse pour qu'il puisse, dès que ce sera possible, redéployer des activités. Vous le savez, on a prévu 2,2 millions pour soutenir nos centres de rencontre et d'hébergement, pour soutenir nos auberges de jeunesse, etc. On a également débloqué 1,5 million d'euros pour permettre aux OJ et aux CJ de pouvoir redéployer leurs activités dès que ce sera possible. On a aussi agréé tout un nombre d'organisations de jeunesse, de centres de jeunes, de maisons des jeunes, etc. pour un montant de 292 millions pour les quatre prochaines années. Évidemment, on a aussi apuré un arriéré de 2018-2019, donc réglant une ancienne dette de la législature précédente pour permettre à plus ou moins 20 organisations qui n'étaient pas reconnues de pouvoir l'être, alors qu'évidemment, elles remplissent les conditions de qualité et d'encadrement de la jeunesse. Donc, tout est fait pour permettre à ces organes de jeunesse tout à fait déterminants de pouvoir reprendre leurs activités et soutenir à nouveau les activités des jeunes dès que ce sera possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole pour une réplique à M. Di Mattia. Merci, M. le Président. Je remercie Mme la Ministre pour avoir rappelé l'ensemble des actions qui sont appréciables et qui doivent être appréciées à leur juste titre vis-à-vis de la jeunesse. Donc, je sais qu'il y a une synergie politique et je pense qu'il faut une union sacrée sur le sujet. Ça me semble l'évidence et on vous fait confiance, à vous comme à l'ensemble du gouvernement. Maintenant, par ailleurs, vis-à-vis du secteur, je voudrais simplement me permettre de rappeler. Donc, le secteur demande finalement deux choses qui sont très simples. La première, c'est une espèce de moratoire qui gèle le volume d'activité, qui lui permette de pouvoir avoir l'assurance qu'on ne va pas lui redemander un retour de subsides si les activités n'ont pu être déployées, ce qui est quand même bien logique. Et par ailleurs, une précision sur la clé de répartition des nouveaux moyens, parce qu'ils sont confrontés à des difficultés techniques pour le faire au sein même du secteur, ne serait-ce que par la disparité de celui-ci. Merci pour votre écoute. Merci. Même exercice pour M. Janssen. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Ministre, pour votre réponse. Merci tout d'abord d'avoir rencontré autant d'acteurs. Ils y sont très sensibles et je pense que ces jeunes ont très particulièrement besoin d'être entendus et de retrouver une forme de confiance vis-à-vis des, je ne sais pas si vous dire des aînés, mais en tous les cas des responsables politiques. Donc déjà, cette étape-là est déterminante, je crois. Merci d'avoir rappelé une série des décisions prises par le gouvernement et qui illustre combien vous mettez en effet la jeunesse au cœur de vos préoccupations. Et puis je pense qu'il y a deux éléments encore sur lesquels vous avez insisté qui sont tellement importants. C'est à la fois le fait d'avoir une feuille de route suffisamment claire
et de parvenir à sortir de cette logique des vases communicants qui est, je pense, très mal comprise et dont il est important voilà, de pouvoir montrer que ce n'est clairement pas notre volonté et qu'on souhaite en sortir au plus vite pour leur offrir à nouveau des perspectives. Merci. Nous allons maintenant, M. Cazier, passer à votre question sur l'action qui a été menée par la FEF et la publication du rapport sur la consultation étudiante. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on ne le sait que trop bien, c'est d'ailleurs la raison même des auditions que nous menons en commission. Il y a une véritable précarité étudiante, elle est galopante. La crise du Covid-19 n'a fait que de la renforcer et nous sommes aujourd'hui confrontés à des images absolument indignes de centaines d'étudiants qui font les files devant des distributions de colis alimentaires au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Et dans ce contexte, la FEF vient de mener une grande étude auprès de plus de 5400 étudiants et étudiantes sur la question de la précarité étudiante pour déterminer leurs priorités, les points d'attention des étudiants. Et parmi celles-ci, on retrouve des points d'attention tels que la réduction du Minerva, le gel de ceux-ci, la question de la limitation des droits complémentaires, la question des gratuités des supports de cours, la question aussi des meilleures coordinations avec l'ensemble des outils existants, les CPS et d'autres acteurs en la matière. Alors on se rend bien compte dans ce cadre qu'à la fois évidemment, et le gouvernement y a répondu, la crise du Covid-19 a nécessité des moyens spécifiques qui ont dû être mis à disposition pour faire face à la crise, et puis des éléments plus structurels. Alors dans ce cadre, Madame la Ministre, je voulais avoir d'abord votre ressenti sur ce rapport. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire et quand ressort-il pour vous ? Par ailleurs, nombreuses des éléments qui se retrouvent dans ce rapport sont en fait des éléments qui sont prévus soit à l'étude, soit en mise en œuvre dans notre déclaration de politique communautaire. Je voulais savoir quels étaient donc, dans ce cadre-là, l'état de la mise en œuvre de ces différents points d'attention. Je pense par exemple à la question d'aide spécifique envers les étudiants coteurs, mais aussi des études sur les Minerval dans les écoles supérieures des arts et dans quelques filières particulières des hautes écoles. Et puis plus largement, peut-être de voir avec vous, quelles sont les mesures urgentes, complémentaires encore, que vous pensez devoir être nécessaires à mettre en œuvre très rapidement. Merci. Alors, la question suivante est posée par M. Corneli sur les résultats de la consultation de la FEF. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, la FEF l'annonçait effectivement déjà de plusieurs semaines. Les résultats d'une grande consultation sur la précarité étudiante sont enfin tombés. On sait que la précarité objective concerne un étudiant sur trois. Ça, c'est ce que le rapport BDO-Sonecom nous apprend. Mais de cette consultation, et intuitivement, on pouvait le deviner, cette année est particulièrement difficile puisqu'elle 32% des étudiants rencontrent des difficultés spécifiques de financement, finalement, du coût de leurs études, en raison notamment de la perte de leur job d'étudiant. Cette enquête, elle a sondé ces étudiants sur toute une série de questions. 5500, selon les sources, auraient répondu quant à, finalement, ce que peut être pour eux l'importance des droits d'inscription, les questions d'allocation, de l'aide sociale, de logement, de transport, l'aide alimentaire ou la santé. Ce sont les paramètres, finalement, des actions concrètes que la FEF a demandé au gouvernement suite à la publication des résultats et à la consultation des étudiants. Étudiants qui, effectivement, classent cela souvent dans un ordre de priorité avec le Minerval qui est pourtant gelé et le prix des matériels et supports de cours, la diminution des frais de logement et de transport, l'augmentation du montant des aides sociales, la lutte contre la précarité menstruelle, l'augmentation de l'accessibilité aux soins de santé et la diminution des frais alimentaires. C'est le ressenti et les priorités que les étudiants mettent en avant. Madame la Ministre, on sait qu'on travaille sur ces sujets que sont les différents paramètres du coût des études des étudiants, mais quelle est votre première réaction à la publication finalement de ces résultats, de cette consultation par la FEF? Est-ce que les problèmes identifiés dans ce rapport par les étudiants concernés sont aussi ceux identifiés par l'administration et qui sont ceux de notre action politique finalement? Est-ce que les actions concrètes nouvelles par le gouvernement seront mises en place par rapport à la révélation de ces résultats, puisqu'on connaît la feuille de route de cette majorité dans ce Parlement? Est-ce que finalement vous y voyez des orientations nouvelles pour de nouvelles actions pour lutter contre ce qu'effectivement nous devons toutes et toutes combattre, c'est la précarité étudiante? Merci, Madame la Ministre, de vos éléments de réponse. Merci, Monsieur Corneli.
Alors, Madame Gropi va terminer la marche également sur les résultats de cette enquête menée auprès de 5400 étudiants par la FEF. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. En effet, la Fédération des étudiants francophones a publié la semaine dernière les résultats de son enquête qui a sondé 5400 étudiants. Et parmi ceux-ci, 93% estiment prioritaire le fait d'établir un plan de lutte contre la précarité. En effet, avec les pertes de revenus des ménages, avec les pertes des jobs d'étudiants, ce sont des dizaines de milliers d'étudiants qui se trouvent aujourd'hui dans la précarité. Alors, Madame la Ministre, vous allez nous répondre que des mesures ont déjà été prises pour venir en soutien aux étudiants, mais il n'y a qu'à regarder les files, les longues files devant les banques alimentaires d'étudiants qui, par exemple, à Liège ou à Bruxelles, demandent une aide pour manger, pour voir que ces mesures sont loin d'être suffisantes. Alors, cette précarité a évidemment des impacts pédagogiques, des impacts sur la réussite. En effet, comment est-ce qu'on peut se concentrer convenablement sur son étude si on a le ventre vide, si on a faim? Comment est-ce qu'on peut travailler correctement sur ses cours si on est inquiet par comment on va payer son loyer? La Belgique est un pays riche. Comment est-ce que c'est possible d'en être arrivé là aujourd'hui? Si on ne répond pas à cette urgence pour mettre fin à la précarité, c'est une partie des étudiants qui vont être simplement exclus de l'enseignement supérieur. Or, on le dit, on le répète, on a besoin de ces jeunes formés pour répondre aux défis de la société d'aujourd'hui. Alors, dans l'enquête, je vais venir avec une question très, très concrète. 80% des sondés estiment que la réduction du Minerval est une priorité pour lutter contre la précarité étudiante. Et donc, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes. Avez-vous pris connaissance du plan de la FEF pour la lutte contre la précarité étudiante? Avez-vous rencontré ses représentants? Et quelles réponses leur avez-vous apportées? Et par rapport à la réduction du Minerval, quel est l'état de la réflexion? Je vous remercie. Voilà, Madame la Ministre, à vous de répondre. Merci beaucoup pour cette question sur la consultation en ligne de 5500 étudiants par la Fédération des étudiants francophones. L'input sera évidemment très intéressant à prendre en compte dans le cadre de l'enquête que nous avons demandé à l'ARES auprès de la COVEDAS, qui, comme vous le savez, est composée à moitié d'étudiants et l'autre moitié d'assistants sociaux et d'experts en termes de soutien aux étudiants du côté des établissements. Enquête que nous attendons pour le mois de mars. Et nous avons, comme vous le savez, également demandé une enquête au groupe Psychologie et Corona qui étudie l'impact de la crise sanitaire sur l'état mental des étudiants, mais également sur leurs conditions matérielles et l'impact que ça peut avoir sur leur situation. Alors, je pense que la FEF a raison lorsqu'elle dit qu'il y a une aggravation de la précarité des étudiants en raison de la crise sanitaire, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a adopté un plan de soutien aux étudiants de 13 millions d'euros qui comprend 6,9 millions d'euros par trois tranches de 2,285 000 euros pour renforcer les subsides sociaux qui sont mis à disposition des étudiants par les établissements. Il s'agit d'aides directes qui peuvent servir, par exemple, pour une aide alimentaire, qui peuvent servir pour le paiement d'un loyer d'un code, qui peuvent servir aussi pour le paiement d'une connexion Wi-Fi. Donc, il s'agit là d'une aide directe. Et évidemment, les épiceries sociales, etc., qu'on voit à la télé, sont en général financées par les établissements eux-mêmes, qui sont renforcés ici par l'action du gouvernement. Il y a également 6 millions qui ont été dédiés à de l'aide à la réussite pour les étudiants de Bac 1, pour leur permettre de bien s'accrocher à l'enseignement supérieur, parce qu'on sait qu'ils ont eu une année chamboulée en réto et qu'on ne voudrait surtout pas qu'ils ratent ce train et qu'ils se retrouvent avec un allongement de la durée des études, puisqu'on sait que l'allongement des durées des études va en général de pair avec une précarisation des étudiants. Je suis également évidemment d'accord avec le constat qui a été dressé quant au fait qu'il s'agit de prendre des mesures structurelles, et ça a été dit. Je pense qu'on est tous bien conscients que dans le budget des étudiants, il y a une bonne part qui est liée au logement, qui est liée au transport, qui est liée aussi à des aides sociales auxquelles les étudiants peuvent prétendre. Et c'est la raison pour laquelle j'organise ce vendredi une réunion avec 15 ministres, 15 collègues qui peuvent être concernés de près ou de loin par la problématique, y compris le ministre en charge du logement, le ministre en charge du transport, etc., pour qu'ils puissent maximiser l'action que nous avons entamée au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'il est aussi
très important de bien informer les étudiants sur toutes les aides qui existent. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons collationné toutes ces aides. Et elles sont disponibles sur le site des pôles académiques, sur le site des établissements, sur le site également d'InforJeunes. Et nous avons réuni le secteur jeunesse et le secteur enseignement pour qu'on puisse diffuser très largement ces informations, parce que ce sont des étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller chercher, de se tourner vers leurs établissements pour trouver une aide. Il faut pouvoir les informer par rapport à ça. Et puis, leur rappeler aussi toutes les aides qui existent déjà. Et on ne part pas de rien, puisqu'évidemment, il y a les possibilités de réduction de Minerval pour les étudiants de conditions modestes. Les étudiants boursiers ne payent évidemment pas de Minerval. Il y a un engagement de ce gouvernement d'évidemment procéder à un gel du Minerval. Il y a également des allocations d'études qui prennent en compte la situation particulière de l'établissement. Et on sait que c'est 1 172 euros pour un étudiant qui ne cote pas, mais c'est 5 217 euros pour un étudiant qui cote. Donc, la Fédération à Bruxelles prend déjà en compte la question du transport dans le coût qui est à charge d'un étudiant et la question en tout cas du logement. Il y a également des aides qui sont disponibles au niveau des subsides sociaux, j'en ai parlé, ce sont des aides directes. Et puis il y a également la possibilité pour les étudiants boursiers d'avoir la gratuité pour l'impression de leur support de cours. Je pense qu'il faut tous avoir bien conscience ici qu'il faut maximiser notre action en cette période de crise sanitaire pour éviter que les étudiants restent au bord du chemin en raison de moyens financiers défaillants. Et puis, il s'agira de travailler sur le long terme à des réformes telles que la réforme du décret paysage, qui figure également dans la déclaration de politique communautaire, pour lutter contre l'allongement de la durée des études qui va de pair avec une précarisation croissante des étudiants. Je vous remercie pour votre attention. Nous en arrivons maintenant aux répliques par rapport à ces questions. Monsieur Cazier. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Merci pour effectivement le travail complexe et titanesque que vous allez mener avec les différents niveaux de pouvoir, parce que c'est vrai qu'on sait que la question du logement, la question du transport, effectivement, n'est pas directement compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là, il y a un vrai travail de coordination à mener. D'ailleurs, toutes les auditions que nous menons pointent ce travail absolument de concertation. Et néanmoins, et vous l'avez rappelé, la DPC prévoit aussi d'élargir le gel du Minerval à l'ensemble des cursus, d'augmenter les moyens qui sont octroyés à la DAPE pour permettre d'avoir des montants plus élevés auprès de certains types de publics. Et je crois que ce sont ces solutions structurelles là aussi sur lesquelles nous devons absolument travailler. Comme le disaient les collègues avant, effectivement la question du Minerval reste centrale dans la question de la précarité. On doit donc assez rapidement, dans les mois qui viennent, de pouvoir répondre à ces éléments-là, mais je suppose que ça fera partie aussi du travail des recommandations que nous mènerons dans le cadre des auditions. Merci. Alors, pour suivre l'ordre, Monsieur Cornilly. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de ce tableau que vous avez dressé de la situation et votre réaction par rapport à cette enquête de la FEF au sujet, finalement, de la précarité des étudiants. La FEF doute du succès d'un plan de lutte contre la précarité si les étudiants n'y sont pas associés, ce qui est sans doute vrai. Il faut toujours associer les acteurs de terrain et, quelque part, les enseignements qui ressortent de cette enquête rejoignent ceux sur lesquels nous travaillons déjà au sein de ces auditions ou de commission. Moi, je pense que, suite notamment aux auditions d'hier, il faut élargir cette consultation aux acteurs de terrain. J'ai entendu hier le témoignage des représentants des services sociaux qui étaient particulièrement intéressants et qui ont rappelé qu'ils étaient finalement les seuls à même sur le terrain de pouvoir développer des solutions à la carte. Et ça, je crois que c'est fondamental, développer des solutions à la carte pour répondre aux situations des uns et des autres qui ne sont évidemment pas identiques, qui sont toutes différentes selon leur parcours, selon leur vécu. Et en ce sens, je crois que les mesures d'urgence que vous avez prises, et vous les avez citées, on parle quand même de plus de 13 millions d'euros, et notamment pour 6,9 millions d'aides directes, c'est directement ces services sociaux qui pourront déterminer ce qu'il faut faire dans le cadre de la situation de tel ou de tel étudiant. Je crois donc que la réponse, bien sûr qu'on peut toujours demander plus, mais la réponse, elle est logique, elle est positive et elle va dans le bon sens, comme la réflexion structurelle que nous menons dans un autre temps pour répondre aux défis que sont effectivement les allocations d'études, par exemple, ou le coût d'autres paramètres des études que nous ne maîtrisons malheureusement pas et pour lesquels nous devons nous tourner. J'aspire bien évidemment à connaître les résultats de votre rencontre de vendredi, mais ça fera l'objet d'autres échanges. Merci, Madame la Ministre. Merci. Même exercice pour Madame Gropi.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, il y a une aggravation de la précarité étudiante. Elle est réelle. Toutes les aides dont vous parlez sont une bonne chose, évidemment. Mais que répondez-vous à ces étudiants qui font la file pour recevoir de la nourriture? Il faut que vous veniez discuter avec ces étudiants qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour vous rendre compte de leur réalité. Je peux par exemple vous citer l'histoire de Camille, qui ne mange qu'un jour sur deux et souvent que de la soupe, parce qu'elle a perdu son job étudiant. Et des histoires comme ça, elles existent par dizaines. Les étudiants le demandent, et leurs représentants aussi, les acteurs de terrain, les experts auditionnés dans ce Parlement nous expliquent à chaque commission l'urgence de prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre la précarité étudiante. Et pas des mesurettes qui ne préservent même plus les étudiants de devoir demander des colis alimentaires, mais des mesures ambitieuses. 80% des étudiants estiment prioritaire de réduire le Minerval pour lutter contre la précarité. Avec le PTB, nous avons donc déposé une proposition de décret, elle se trouve sur vos bureaux, qui demande de réduire le Minerval à 175 €, donc au montant le plus bas existant en communauté française. Je vous ai posé une question là-dessus, je n'ai pas entendu d'intention du gouvernement d'aller vers là. Alors qu'avec cette mesure, on lutte à la fois contre la précarité étudiante et contre l'échec scolaire. C'est faisable. Plusieurs pays européens l'ont fait. L'Allemagne et le Danemark appliquent même la gratuité du Minerval. Et donc j'espère et j'appelle l'ensemble des partis à soutenir cette proposition pour lutter contre la précarité étudiante. Je vous remercie. Là qui termine ce train de questions. Alors, Madame la Ministre, une question qui est une question dérivée de M. Vossard sur l'opération Trace ton cercle et le sentiment d'abandon des jeunes. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par cette note positive, c'est l'initiative citoyenne Trace ton cercle qui a été mise, qui s'est organisée il y a quelques semaines avec une mobilisation dans plus de 300 places avec 4500 personnes, dont beaucoup de jeunes, mais on était dans un mouvement intergénérationnel, mais c'était un mouvement qui voulait mettre en avant justement les aides, le soutien qu'on peut apporter à cette jeunesse pendant cette crise. Alors, je pense que ma question de cet après-midi, elle fait écho à la fois au débat qu'on a eu en commission d'enseignement supérieur, mais aussi au débat précédent ici même, il y a quelques semaines, sur la place que peut occuper la jeunesse dans le débat politique, dans la sortie de crise. Et je crois ici, encore une fois, on voit qu'il y a un mouvement citoyen qui a envie d'apporter des solutions. Il y a des revendications, notamment la reprise des activités extrascolaires, le fait que les étudiants renouent des contacts justement avec une reprise en présentiel à 50%, la reprise de stages en entreprise, de formation, tous ces éléments sont repris dans le cadre de ce mouvement. Et ce qui est important ici, c'est de saisir, je dirais, la balle au bon et d'avoir éventuellement déjà eu un contact. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez eu un échange, un contact, le gouvernement et cette initiative, les organisateurs de cette initiative? Et d'autre part, vous vous souvenez, il y a quand même quelques semaines déjà, on avait parlé de ce fameux comité de concertation jeunesse, ce mini Codeco, qui avait été avorté, puis qui est devenu un comité de concertation électronique, où vous avez pris tous ensemble, toutes les régions convenues, des décisions concernant la reprise d'activités pour les jeunes en extrascolaire, en plein air notamment. Mais ici, est-ce qu'il y a à l'ordre du jour un fameux Codeco jeunesse qui sera lancé pour aborder de manière, je dirais, globale cette question centrale pour sortie de cette crise? Je vous remercie. Merci. Alors, Madame la Ministre, à vous à nouveau la parole. Merci, Monsieur le Député, pour votre question sur l'opération Je trace mon cercle. J'ai en effet rencontré hier les organisateurs de cette initiative, évidemment extrêmement intéressante, qui vise à mettre au centre les intérêts des jeunes. Et comme vous le savez, c'est une priorité de ce gouvernement de mettre l'intérêt des jeunes au centre de nos priorités et de rééquilibrer les intérêts de santé mentale par rapport aux intérêts sanitaires et de s'inspirer très largement, au moins autant, des experts
experts pédopsychiatres que de l'avis des experts sanitaires. Et comme vous le savez, nous plaidons pour maintenir les écoles ouvertes, je l'ai dit tout à l'heure. Nous plaidons également pour la reprise de l'enseignement supérieur en présentiel avec 20% de présence maximum sur le campus. Et donc, une décision positive est attendue. Donc, notre protocole est prêt pour permettre cette reprise progressive qui pourra évidemment, j'ai parlé de 20% de présence maximum sur le campus. Il est évident que si les chiffres continuaient à s'améliorer, nous pourrions envisager davantage. Mais l'objectif, c'est évidemment d'avoir une première reprise pour les étudiants en laissant la possibilité aux établissements de donner la priorité, par exemple, au bac 1 ou aux années diplômantes en fonction de leur projet pédagogique, mais en autorisant chaque étudiant à pouvoir faire un petit peu de présentiel jusqu'à la fin de l'année. Également, à l'agenda, plus d'activités pour les moins de 12 ans, puisqu'on sait qu'il nous avait été demandé fin janvier de prendre en compte les inquiétudes liées aux variants britanniques et pour donner un petit peu d'oxygène aux 13-18, de restreindre les activités de moins de 12 ans. Une évaluation avait été demandée pour le carnaval et donc nous allons demander la levée également de la restriction des activités pour les moins de 12 ans. Nous allons également travailler sur plus d'oxygène pour les plus de 18 ans, pouvoir augmenter la taille des groupes qui peuvent se réunir en extérieur, passer de 4 par exemple à 10. Également donner la possibilité aux plus de 18 ans de pouvoir eux aussi participer à des activités de lutte contre le décrochage scolaire et social, puisqu'on sait que le décrochage scolaire ne s'arrête malheureusement pas à 18 ans. Donner également des perspectives pour Pâques, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport aux stages et aux activités qui pourraient se tenir à Pâques. Donc la logique qui nous anime est celle vraiment d'une logique de feuille de route de reprise progressive des activités jeunesse. Évidemment, nous voulons aussi, et ça a été dit tout à l'heure, sortir de cette logique des vases communicants avec des budgets de contact à l'intérieur du secteur jeunesse lui-même, avec une réflexion qui doit être initiée, je pense, à l'échelle de l'ensemble de la société, pour réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un petit peu de budget de contact chez les plus de 25 ans, puisqu'on sait que pour eux, c'est évidemment moins difficile de patienter, puisqu'ils ont déjà eu le temps qu'ils perdent quelque part. On a déjà eu 18 ans, on a déjà eu 20 ans. Pour les jeunes, eh bien, on n'a qu'une seule fois 18 et 20 ans. C'est évidemment plus difficile pour eux de patienter. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un consensus de toute la société pour peut-être restreindre un petit peu le budget de contact des plus de 25 ans, pour donner plus d'oxygène à nos jeunes, permettre le retour dans les auditoires de nos étudiants. Et donc, oui, nous allons plaider pour qu'il y ait un Codeco jeunesse, comme je m'y suis engagée lorsque j'ai rencontré les responsables de Trace ton cercle. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur Vossard, pour votre réplique, si vous le souhaitez. Oui, bien entendu. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez déjà répondu à la question, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, un contact, un échange avec ce mouvement citoyen? C'est très bien, il faut être vraiment proche de ces différentes initiatives et de voir qu'est-ce qu'on peut justement en tirer et suivre des faits. Ici, vous parlez d'un assouplissement progressif de mesures pour relâcher la pression, faire en sorte qu'il y ait plus en plus de contacts au niveau de la jeunesse. Je pense que c'est une bonne chose. Le second point, c'est la question du fameux Codeco jeunesse. Avec mon groupe, on va dans ce sens. On l'a demandé même au niveau fédéral. Et on avait demandé cette conférence interministérielle jeunesse. Donc, ça rentre tout à fait dans la perspective de travailler de manière globale, transversale. Sur la question des vases communicants, je vous suis un peu moins dans ce que vous expliquiez, un peu moins, un peu plus pour l'un ou pour l'autre. Je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir à une gestion des risques différente de ce qu'on avait à l'époque quand on a subi de plein fouet la crise. On était dans un phénomène d'urgence. Je pense qu'on maintenant, on doit réfléchir plutôt à une gestion des risques. Ce changement de paradigme et donc ne doit pas opposer des secteurs ou même des catégories d'âge entre eux. Mais voilà, ça c'est, je vous laisse le soin de vos propos et je ne partage pas tout à fait cette logique pour l'avenir. Voilà, mais on suivra ça de près. Je vous remercie. Merci. Alors, pour clore ce long train de questions, Madame la Ministre, c'est un député qui tient particulièrement à vous aujourd'hui, Monsieur Cornelli, sur le droit à la parentalité. En effet, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, au nom de la protection de l'enfance, Conor Rousseau, le président des socialistes flamands, dit qu'il est temps de réfléchir au droit à la parentalité. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait dit ou écrit si quelqu'un d'autre s'y était risqué.
considérant notamment que si les parents semblent incapables d'être des parents responsables d'un enfant, voire de deux, qu'il faut constater, hélas, certains cas de maltraitance, il se dit qu'il faut oser poser la question du droit à la parentalité, vu le coût sociétal de ce qui se passe mal dans les familles quand on est amené à le constater. C'est sans doute une vraie préoccupation, vu le public dont il est question et vu notre volonté bien légitime et impérieuse de protéger les enfants. Mais faut-il opposer droit à la parentalité et droit des enfants ? Comprenez-vous, Madame la Ministre, son propos ? Cette réflexion vit-elle dans les milieux dont vous avez la charge, et on pense notamment à l'aide à la jeunesse ? Est-ce que son appel à débattre de sujets est susceptible d'aboutir ? Est-ce qu'il est souhaitable qu'il aboutisse ? N'est-il pas prévu un rapport d'experts sur le sujet, Madame la Ministre ? Et parce que, convenons-en, si le droit à la parentalité me semble être un droit fondamental, on sait que des situations sont particulièrement difficiles et peuvent amener, au nom de la protection des enfants, du droit des enfants, des mesures des pouvoirs publics. Que peut-on faire ? Quelle est la marge de manœuvre dont vous disposez, Madame la Ministre, pour soutenir les parents dans cet exercice difficile qu'est la parentalité et pour lutter contre la maltraitance ? Merci, Madame la Ministre, de vos éléments de réponse. Nous écoutons avec attention, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député, pour votre question sur le droit à la parentalité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour répondre clairement à votre question, non, je ne comprends pas les propos de Conner Rousseau. Pour moi, toute personne a le droit de devenir un jour un papa ou une maman. Ça ne signifie évidemment pas que la société, les pouvoirs publics n'ont pas un devoir de protéger l'enfant à naître lorsque, par exemple, ses parents ont développé des assuétudes, sont dépendants à la drogue, par exemple, ou à l'alcool. Ce que nous privilégions en Fédération Wallonie-Bruxelles, la philosophie même qui anime le secteur de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le soutien à la parentalité. Et nous travaillons sur base d'une hiérarchisation des mesures où nous essayons toujours d'abord d'aider l'enfant dans son milieu de vie. Et donc le placement en famille ou le placement dans une institution est toujours en dernier ressort. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est aider les parents, le papa aussi au passage, le papa comme la maman, à prendre en compte, prendre conscience des besoins de l'enfant, prendre conscience des droits de l'enfant. Et donc c'est ce soutien à la parentalité qui fait, je pense, toute la richesse de l'action de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc nous y sommes évidemment très attachés. Et donc oui, le service de l'aide à la jeunesse a fourni sa contribution à ce projet de protection juridique prénatale avec toutes les réserves que je viens de mentionner et avec toutes les orientations qui, je pense, sont capitales comme telles qu'elles sont développées à l'instant. Je vous remercie. Pour votre réplique, je vous en prie, Monsieur Cornelli. Mais merci, Madame la Ministre, d'avoir rappelé finalement ce droit fondamental de toute personne d'être papa ou maman, ce qui ne s'oppose évidemment pas à notre devoir de veiller aux droits des enfants. Il y a même, je crois, au niveau de toutes les instances qui sont les nôtres, dont le DGDE, qu'on a entendu ce matin, de sérieux doutes sur de telles propositions avec un risque d'eugénisme, finalement, à terme, qui est tout à fait inacceptable. Vous avez tout à fait raison de dire que nous devons nous travailler sur l'accompagnement, donc c'est l'aide à la parentalité, les mesures de soutien pour que quand un diagnostic est posé de risque ou même quand des faits sont avérés, on puisse accompagner les personnes concernées, le tout sous l'angle du droit de l'enfant qui reste primordial, avant bien entendu toute autre mesure administrative ou juridique qui amènerait l'enfant malheureusement à devoir évoluer dans d'autres milieux. Merci d'avoir rappelé que ce droit à la parentalité est une liberté fondamentale et que toute atteinte à celui-ci serait contraire à la dignité humaine. Merci. Alors, Madame Désir, Madame la Ministre, nous allons terminer par vous. D'abord, une question de M. Soares Ndial sur la cohérence des mesures relatives aux sorties scolaires. M. Soares Ndial. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la Flandre a décidé d'autoriser les excursions scolaires pour un jour maximum pour tous les élèves du primaire et du secondaire, et ce, dès le 15 mars. Cette mesure qui vise finalement à assouplir les restrictions sanitaires est une occasion pour ces élèves d'aller à la rencontre de la culture, par exemple en plein air, ce qui est un outil solide pour lutter contre le mal-être, mais aussi les difficultés psychologiques que rencontrent les jeunes lors de cette crise. J'ai deux questions tout simplement.
quelle est votre réflexion politique sur cette annonce qui a été faite? Et ensuite, existe-t-il au sein de votre cabinet une réflexion visant à envisager une telle mesure? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc, comme vous le savez, le code rouge est toujours actuellement en vigueur dans nos écoles jusqu'au 26 février, date vendredi de ce prochain comité de concertation. Lundi soir, j'ai rencontré les experts sanitaires, tout comme d'ailleurs mon homologue flamand l'avait fait juste avant moi. On a échangé, évidemment, comme on le fait très régulièrement, sur l'évolution de la situation sanitaire, et nous ont fait part de leur inquiétude eu égard à la hausse des contaminations, et notamment sur le rôle que jouent les variants dans l'évolution de ces contaminations. Mais là-dessus, je ne vous apprends rien. J'ai également rencontré aujourd'hui à 11h ce matin les acteurs de l'enseignement du côté francophone pour faire le point avec eux sur les perspectives. Alors effectivement, la Flandre a fait part de son intention par communiqué de presse d'apporter quelques aménagements à partir du 15 mars. Ils sont en fait de deux ordres. D'une part, de rouvrir la possibilité d'organiser des activités extramuros sous conditions très strictes, hein, sorties d'un jour avec un encadrement tout à fait évidemment adapté, donc se rendre à pied vers les lieux d'activité culturelle ou avec un bus spécifiquement dédié au groupe classe. Et alors l'autre assouplissement qui a été convenu, enfin qui a été proposé en Flandre, ce serait de faire revenir en présentiel d'une part les élèves de l'enseignement spécialisé de forme 3 et 4 et d'autre part les élèves de l'enseignement en alternance. Ensemble, ça fait évidemment très peu d'élèves. Ce sont des propositions sur lesquelles le GEMS a marqué son accord, qui sont évidemment tout à fait intéressantes. On en a évidemment parler, et ce sont des assouplissements, tout est bon à prendre aujourd'hui, on ne va pas refaire le débat ici sur l'apport évidemment de la culture dans ce contexte de crise spécialement pour nos élèves, on est tous je pense tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant je pense aussi que ça ne suffit pas à clore le débat, nous devons avoir une discussion plus large, j'en suis persuadée, sur des perspectives claires de sortie de l'hybridation. Vous le savez, c'est aussi absolument nécessaire et revendiqué par les acteurs de l'enseignement aujourd'hui, certainement pour au-delà des vacances de Pâques, il faut que les élèves reviennent tous en présentiel, et si la situation sanitaire évoluait favorablement, même, pourquoi pas, certaines parties de nos élèves avant Pâques, si ça pouvait être possible. Évidemment, j'ai simplement fait le choix de ne pas communiquer là-dessus avant le comité de concertation. On voit à quel point toutes ces discussions sont aujourd'hui compliquées. Tous les secteurs sont demandeurs d'assouplissement alors que nous sommes dans une situation sanitaire un petit peu difficile et un petit peu incertaine. Et donc, il n'est pas dans mes habitudes de communiquer avant le comité de concertation là-dessus. Je vous remercie. Monsieur Sorensdial, pour votre réplique. Merci, Madame la Ministre. Je comprends votre prudence, mais je dois dire que nos enfants, nos jeunes, ont un besoin vital de retrouver des espaces de liberté où ils peuvent bénéficier, je dirais, d'une respiration saine pour leur bien-être mental. La première pierre pour cette respiration a été, bien évidemment, le maintien de l'ouverture des écoles. Nous vous avons soutenu de bout en bout sur cette position et nous nous en réjouissons au vu des effets immenses et, je dois dire, sous-évalués au niveau positif de cette ouverture. Je dirais qu'il faut poursuivre ces efforts. En ce sens, nos enfants, nos jeunes ont un besoin vital de retrouver un rythme normal, de se retrouver dans la cour, de discuter avec les copains, de sortir de leur face-à-face avec l'ordinateur. Si la situation permet cette bouffée d'air frais, je pense qu'il est très important de retrouver un équilibre entre un environnement virologiquement le plus sûr possible, mais aussi cet oxygène psychologique et culturel dont ils et elles ont grandement besoin. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame Cortis, sur les épreuves externes certificatives 2021, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. À la rentrée de septembre 2020, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, les apprentissages essentiels ou incontournables ont été définis pour guider les matières à aborder prioritairement dans nos écoles. Ces derniers jours, vous avez signalé que les épreuves externes certificatives du mois de juin 2021 tiendraient compte de cette liste d'essentiels.
Toutefois, vous avez également annoncé que par souci écologique et économique, ces épreuves seraient celles qui avaient été initialement préparées et imprimées pour l'année précédente et qui avaient été annulées. Madame la ministre, ces formulaires ayant été élaborés en début d'année 2020 et donc avant la crise sanitaire, comment peuvent-ils tenir compte de la liste d'essentiels qui, elle, a été établie en septembre 2020, donc 9 mois après? Pourriez-vous m'éclairer à cet égard? Par ailleurs, vous avez annoncé que si certains essentiels n'ont pas été vus par les élèves, une certaine latitude sera laissée aux équipes pédagogiques pour ne pas tenir compte de certaines questions, mais ce, uniquement a posteriori, et donc pour, le cas échéant, modifier leurs évaluations, leurs cotations. Madame la ministre, de manière pratique, comment les professeurs devront-ils opérer? Et surtout, par souci de clarté pour les élèves et pour éviter un stress supplémentaire inutile, au moment du passage des examens, ne devrait-on pas prévoir, au cas par cas, de supprimer à l'avance les questions, essentielles ou non, qui n'auraient pas été vues au sein de certains établissements? Je vous remercie. Madame la ministre, pour que vous puissiez répondre, je vous en prie. Monsieur le Président, Madame la députée, eh bien pour répondre à votre première question, c'est assez simple. En fait, nos services ont simplement travaillé de concert et en cohérence. Donc, le service général de l'inspection a travaillé avec la direction des standards éducatifs et des évaluations. Donc, ils ont ensemble conçu les essentiels parmi les savoirs, savoir-faire et compétences des référentiels qui sont actuellement en vigueur. Et le service qui a conçu les épreuves certificatives externes a vérifié la cohérence de ces essentiels avec le contenu des épreuves. Donc vraiment, j'insiste un peu là-dessus, les enseignants peuvent vraiment rassurer leurs élèves par rapport à ça, il n'y aura pas de surprise. Alors, vous savez aussi peut-être, vous l'avez peut-être vu, qu'il y a 2 circulaires, la 79-71 et 79-72, qui ont été publiées le 16 février dernier et qui reprennent en fait toute la procédure de passation de ces épreuves de fin d'année avec toutes les modalités pratiques et tous les détails pratiques, je vous y renvoie. Mais ce qui est important et ce qui rejoint votre seconde question, c'est qu'on a prévu, en fait, une procédure pour faciliter la vie des conseils de classe et les jurys d'école au cas où ils devraient décider d'octroyer un CEB, un CE1D ou un CESS, alors que certains de ces essentiels n'ont pas pu être vus pour des raisons sanitaires. Concrètement, comment ça va se passer, c'est assez simple. Préalablement à la passation de l'épreuve, chaque enseignant va être appelé à établir une liste des matières qui n'auraient pas été vues alors qu'elles avaient été pointées dans les essentiels pour des raisons sanitaires. Ensuite, l'épreuve va se passer et une fois qu'il reçoit les copies de ses élèves, ce qu'il peut faire, c'est, en cas d'échec de certains élèves à l'épreuve, il peut indiquer un score à titre, enfin une note à titre indicatif en ne tenant pas compte des questions relatives aux points de matière non vus. Et donc on aura, si vous voulez, deux cotes, la cote officielle et la cote à titre indicatif si on avait coté que ce qui a réellement été vu. Et donc sur base de ça, ça va éclairer évidemment le jury d'école ou le conseil de classe dans la décision d'octroyer ou non le certificat dans la situation qui est propre à chaque élève. Évidemment, cette décision du conseil de classe ou du juré d'école, elle doit être motivée et elle pourra être motivée au travers de ces différents éléments. Ça nous permettra de faire toute la transparence sur la décision. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame Cortis, pour votre réplique. Je vous remercie, Madame la ministre, pour ces précisions. Comme vous, je pense qu'on doit faire confiance aux conseils de classe qui devront faire preuve de bienveillance dans leurs délibérations. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'on en tienne compte a posteriori dans les cotations, alors que les élèves vont peut-être se retrouver devant des épreuves avec des questions qu'ils n'ont jamais vues et commencer à stresser, pensant peut-être qu'ils les ont vues et ne s'en souviennent plus. Donc ça, c'est ça qui me tracasse un peu. Pourquoi les enseignants doivent-ils lister à l'avance les questions qu'ils n'ont pas vues pour en tenir compte dans leurs cotations plutôt que de les supprimer avant les épreuves et éviter ce stress aux élèves? Donc je me demande si on ne peut pas quand même explorer cette piste. Mais à part ça, j'en profite pour saluer le choix de votre gouvernement de maintenir le passage des épreuves externes certificatives alors qu'elles ont dû être annulées l'an dernier. Je pense que ce maintien permettra non seulement de retrouver un peu de normalité après 2 années scolaires chamboulées, mais aussi évaluer l'état des connaissances et des compétences acquises par nos élèves. C'est important pour le pilotage de notre enseignement, mais aussi et surtout pour repérer les lacunes des élèves et procéder à des remédiations. Je vous remercie encore. Merci. Voilà qui clôt nos questions d'actualité et me permet de revenir
à nos éléments d'ordre du jour, rappelant que l'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de résolution visant à demander la libération immédiate de la journaliste Zhang Zhan, à soutenir la liberté de la presse, liberté d'expression, l'accès à l'information, le droit à un procès équitable des défenseurs des droits humains, déposée par Monsieur Courard et consorts. Monsieur Courard et ses consorts. Alors, quelqu'un demande-t-il la parole ? Si ce n'est pas le cas, nous allons discuter et voter de cette proposition lors de notre séance. Et s'il n'y a pas d'objection, donc on en fera ainsi. Monsieur Courard. Oui. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si c'est le moment, mais j'ai omis de demander tout à l'heure concernant le document 200. Ça signifie la proposition de décret visant l'octroi de moyens supplémentaires permettant de couvrir les surcoûts liés au fonctionnement et à la gestion de la crise sanitaire. Nous allons y arriver dans quelques instants. Ah, ok. Donc, il n'y a pas de problème. Trop tôt, excusez-moi. Vous êtes devancier, on sent la qualité d'un ancien président de l'Assemblée. Mais c'est aussi le sens de l'impatience de la jeunesse qu'on sent en vous, Monsieur Courard. Alors, la prise en considération maintenant de la proposition de décret qui vise à permettre l'utilisation des moyens financiers octroyés par l'engagement de conseillers en prévention dans les établissements scolaires déposé par Madame Schins et consorts, c'est le document 109. Demande de prise de parole. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de l'envoyer à la commission de l'éducation. Et on est décidé ainsi. Voilà, nous y sommes, Monsieur Courard. L'ordre du jour appelle maintenant la prise en considération de la proposition de décret qui vise l'octroi en 2021 des moyens supplémentaires permettant de couvrir les surcoûts de fonctionnement liés à la gestion de la crise sanitaire pour les écoles, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaires réduits, et d'adopter un soutien éducatif et psychosocial renforcé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, déposé par M. Di Mattia et consorts. C'est le document 200. Alors, y a-t-il une demande de prise de parole sur ce point, M. Courard? Voilà, maintenant c'est le bon moment pour vous demander, Monsieur le Président, que ce texte puisse être discuté dès jeudi, donc dès demain, en commission. Pour ce faire, je vous demande l'autorisation finalement de réunir la conférence des présidents pour pouvoir avaliser cela, pour pouvoir en fait le discuter dès ce jeudi, puisque c'est urgent. C'est ce que j'allais proposer, M. Courard, c'est que nous ayons une conférence des présidents à l'issue de nos travaux, en sorte que nous tranchions immédiatement. D'accord. S'il en est ainsi, nous allons donc évidemment l'envoyer à la commission d'éducation, mais nous fixerons tout à l'heure les modalités plus précises. Le document 201, maintenant. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition de décret qui modifie le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires, de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaires réduits, des centres psychomédico-sociaux, ainsi que des internats, de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la communauté française. C'est déposé par Madame Grioli et consorts, donc sous le numéro 201. Y a-t-il une demande de prise de parole sur ce point? Ce n'est pas le cas, donc je vous propose de l'envoyer à la commission du budget, de la fonction publique, de l'égalité des chances, de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles enseignement et des bâtiments scolaires. S'il n'y a pas d'objection, on procède donc ainsi. L'ordre du jour appelle maintenant la prise en considération de la proposition de décret qui vise à limiter le Minerva à 175 € dans l'enseignement supérieur, déposée par Madame Bernard et consorts. C'est le document 202. Demande de prise de parole sur ce point? Je ne pense pas. Donc je vous propose là aussi de l'envoyer à la commission de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale, recherche, hôpitaux universitaires, sport, jeunesse, aide à la jeunesse, maison de justice, promotion de Bruxelles. S'il n'y a pas d'objection, on procède donc ainsi également. Nous en sommes maintenant à la prise en considération de la proposition de résolution qui vise à faire reconnaître les vaccins Covid comme un bien universel, soutenir une distribution universelle et équitable des vaccins contre la Covid-19, le document 204. Quelqu'un demande-t-il la parole? Je vous propose de l'envoyer là aussi à la Commission des Affaires Générales, Relations Internationales, Règlement et Contrôle des Communications des membres du gouvernement. S'il n'y a pas d'objection, nous procédons de la sorte.
Maintenant, la prise en considération de la résolution relative à la précarité menstruelle dans l'enseignement obligatoire et supérieur, c'est le document 205. Y a-t-il une demande de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je propose donc de l'envoyer à la commission de l'enfance, santé, culture, médias, droits des femmes. Il en est décidé ainsi. Puisque nous avons discuté de tous ces points, nous arrivons conformément à l'article 65 du règlement qui est le nôtre. Et l'ordre du jour appelle donc la discussion générale sur la proposition de résolution visant à soutenir les travailleurs de la culture dans le contexte de la crise Covid-19 déposée par Madame Pavé et consorts. C'est le document 191. La parole est d'abord à Madame Duresne. Madame Duresne, qui est rapporteuse, se réfère à son rapport écrit, ce qui nous permet d'avancer plus rapidement. Et maintenant, la parole est à Madame Pavé, qui est auteure principale, pour la présentation de sa proposition. Je vous en prie. Je vous remercie. Donc, le PTB défend aujourd'hui sa proposition de résolution pour soutenir les travailleurs et travailleuses de la culture qui n'ont toujours reçu aucune aide un an après le début de cette crise. Cette situation est inadmissible et particulièrement criante en Wallonie, où 60 000 travailleurs du secteur culturel n'ont plus prétendre à aucune aide directe, contrairement à ce qui a été proposé dans les deux autres régions du pays. Ce n'est pas la première fois que l'on dépose cette proposition qui se base sur ce qui a été fait à deux reprises déjà à Bruxelles. Cette proposition a donc beaucoup voyagé, puisqu'elle a été renvoyée d'un Parlement à l'autre, de la région Wallonne au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et inversement. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue seule pour la défendre, je suis venue avec les premiers concernés et leurs témoignages, pour que ici, au sein de ce Parlement, on puisse réellement se rendre compte de ce que c'est, de vivre pendant un an sans pouvoir travailler parce que la culture est fermée, de vivre pendant un an sans aucun soutien en retour, de vivre pendant un an en touchant de si faibles revenus que ceux dont je vais vous parler. Ils s'appellent Alicia, Loris, David, Annabelle, Jonathan, Angélique, Yves, Samantha, Thomas, Sarah, Dan, Oriane, Laurent et Karim. Ils sont comédiens, comédiennes, animateurs, artistes du cirque, musiciens, réalisateurs, techniciennes, auteurs, compositeurs, interprètes et slameurs. Je vais commencer par le témoignage de Loris. Nous sommes actuellement en création pour un nouveau spectacle sans aucune perspective de pouvoir jouer. Pour ce qui est de mon emploi artistique, je n'ai rien gagné depuis un an maintenant. Je suis animateur à temps partiel dans une maison de jeunes pour laquelle je perçois mon salaire plein, qui s'élève à seulement 920 € par mois. Pour ce qui est de mon deuxième mi-temps, mon vrai travail, je ne perçois rien. Je n'ai pas accès au statut d'artiste qui est bien trop difficile à obtenir en débutant dans ce milieu. Ce pays nous a montré bon nombre d'incohérences depuis le début de la crise. Pour être tout à fait sincère, la politique en général m'a déçue. Je ne comprends juste pas leur logique. Alicia, on a une fille et on vit tous les trois avec un chien avec en tout 1 300 € par mois. C'est ce qu'on a quand on n'a aucun contrat et c'est quasiment le cas tous les mois depuis mars 2020. Nous sommes deux artistes animateurs socioculturels. On a perdu, mon mari et moi, à peu près 10 000 à 12 000 € de contrat depuis le début de la crise. Nous n'avons pas le statut qui est très difficile à obtenir. On y était presque et puis on a dû tout recommencer. ING nous a autorisé un report de crédit pour l'emprunt de notre maison, mais on n'y a droit que durant 9 mois, donc on va devoir repayer le crédit à partir de ce mois-ci, du mois prochain, de mars 2021. Sans avoir de nouvelles ouvertures pour retravailler régulièrement dans notre secteur. Nos collègues, artistes de Bruxelles, sont nettement mieux aidés que nous, ici, dans la région de Namur. Nous n'avons pas accès à certaines aides dont les amis artistes bruxellois bénéficient. On ne comprend pas pourquoi. Étant donné qu'on fait partie de la même troupe qu'eux, par exemple, on fait le même métier, on travaille un peu partout en Belgique et à Bruxelles aussi, notamment, ça nous paraît juste injuste. Mais heureusement, on a quand même reçu des preuves de solidarité. Il y a encore des gens bien, malgré tout, ça fait du bien. David, mon témoignage est très simple. Il pense que l'on peut vivre uniquement du chômage artistique. Eh bien non. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 1 150 € par mois? 660 € de loyer, plus les charges, et survivre. Mon ASBL, qui créait beaucoup de contrats et un festival par an, me coûte 700 € par mois de frais,
de fonctionnement, c'est intenable. Les pertes sont inchiffrables. Sans compter que je fonctionne sur le bouche à oreille, donc combien de contrats j'ai perdus avec tous ces contrats perdus. Allez demander aujourd'hui à n'importe quel commerce une aide en sponsor pour mon festival. On est mort sur plusieurs années. Pour m'en sortir, j'ai dû faire un crédit que je vais rembourser sur 7 ans. On n'en peut plus, on meurt. Annabelle, ce dont on ne parle jamais, c'est que beaucoup d'entre nous ont encore des frais fixes liés à leur activité. Comment tu fais quand tu gagnes à peine 1200 euros par mois, que tu dois vivre, payer ton loyer et encore ton atelier en plus? Garder cet outil, c'est pourtant le seul moyen de rester sur le marché de l'emploi pour espérer faire des contrats. Jonathan, c'est bien dommage que rien n'ait été mis en place par rapport aux aides directes en Wallonie et incompréhensible que ça puisse se débloquer ailleurs et pas chez nous. Pour moi, ce serait le bienvenu, mais ça va, je me débrouille avec mon petit 1200 euros de chômage d'artiste. Pour d'autres amis, par contre, ce serait plus que le bienvenu, voire nécessaire. Thomas, mes revenus depuis la crise, ils ne sont pas fameux. Je ne gagne pas assez pour payer le loyer. Là, j'attends que la CAPAC s'en sorte avec mon dossier pour recevoir un chômage temporaire. Pourquoi la culture n'est pas reconnue comme essentielle? Quel rôle les politiques pensent-ils que l'on a? Angélique, je témoigne comme artiste, n'ayant pas droit au statut d'artiste, car je n'ai pas rentré assez d'argent pour l'obtenir. Nous sommes en ASBL et n'étant pas reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous n'avons eu droit à aucune aide alors que nous sommes dans le culturel. Reconnus ou pas, on mérite des aides. Yves, tous mes concerts ont été annulés. Les ateliers d'écriture en cours et à venir ont été reportés, puis annulés à leur tour. Les pertes sont difficiles à chiffrer. L'année n'a plus d'horizon et tout sera à recommencer. On ne parle ici que du coût financier, quid du coût moral, de toutes ces heures passées à préparer, répéter, mettre en place. Samantha, les emplois qui ont été arrêtés à cause des mesures sanitaires auraient dû avoir une aide beaucoup plus présente. Thomas, je suis technicien. Si j'ai pas de boulot, j'ai pas de revenus. Ou très peu, comme en septembre où j'ai eu un chômage de 39 euros par jour. Plus de prestations, plus de rémunération. Je dois avoir perdu beaucoup, mais je ne saurais pas te dire combien. Je trouve ça inadmissible de ne pas avoir reçu d'aide et c'est très compliqué d'avoir un statut d'artiste. J'ai la chance d'avoir des parents, mais ça, tout le monde ne l'a pas. Sarah, cher ministre, si je ne peux pas avoir d'aide, peut-on au moins recommencer à travailler? Dan, je touche maintenant 1000 euros au chômage. Avant, j'en avais 2000. J'ai toujours mon statut d'artiste, mais pour combien de temps? Je veux dire au Parlement qu'ils n'en ont rien à faire de nous, qu'ils ne nous prennent que pour des saltimbanques et qu'ils n'imaginent pas l'importance de la culture dans la vie des gens. Ils ne pensent qu'au fric. Oriane, mes revenus mensuels depuis la fin de la crise sont de 450 euros par mois. J'ai perdu un emploi régulier le mercredi après-midi à cause d'une coupure de budget dans des fonds culturels. J'ai accès aux allocations d'insertion au chômage depuis ma sortie des études en 2016. J'ai assez travaillé pour retarder la date butoir, mais la plupart des contrats auxquels j'ai dû avoir accès en Wallonie, étant des contrats RPI, je n'ai pu les faire reconnaître comme étant du travail et accéder au chômage. Ces types de contrats utilisés par les structures culturelles font aussi partie des inégalités et de la précarité auxquelles nous faisons face en tant que travailleurs, car ils sont trop utilisés et ne nous permettent pas d'accéder aux mêmes droits que tout autre travailleur. Je trouve ça juste honteux qu'il n'y ait pas eu d'aide directe en Wallonie. La culture représente 5% du PIB en Belgique. Elle est un secteur important à plein de niveaux, elle représente l'expression de nos sens et de nos émotions. Elle nous aide à comprendre et réfléchir, elle apaise l'esprit, elle nous aide à s'évader, elle existe partout. Ne pas aider un tel secteur est politiquement questionnant. Laurent, je n'ai pas eu accès au chômage temporaire ou statut d'artiste. Je touche 900 euros par mois, le CPAS, c'est galère. La Wallonie n'a rien mis en place, ou alors je n'ai pas eu l'information. Et enfin, Karim. Je m'appelle Karim, j'ai 23 ans et je vis à Liège où j'ai fait mes études pour devenir comédien en décembre 2019. Je n'ai aucun revenu mensuel. Fraîchement diplômée, je n'ai eu l'occasion de travailler que sur 3 contrats au conservatoire en travaillant avec des anciens profs et amis. Je n'ai donc pas eu accès au chômage temporaire et au soi-disant statut d'artiste. En fait, je survis parce que je suis retournée vivre chez ma mère qui habite Liège.
Je cherche du travail autant que possible. J'ai choisi un métier que je sais ne pas être évident. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident d'être comédien. C'est des heures, des jours de travail non rémunérés. Mesdames et messieurs les députés, ce que l'on fait, c'est sérieux. Oui, parfois on s'amuse, mais on travaille, on réfléchit, on imagine, on tente, on expérimente pour qu'à la fin, ce soit les autres qui s'amusent. Réfléchissent, imaginent, tentent et expérimentent. C'est une passion que l'on paye au prix fort, à la sueur de notre front, dignement. Mais en retour, nous avons silence et mépris. Qu'il n'y ait pas eu d'aide directe, c'est une honte. Qu'il n'y ait pas eu d'accompagnement pour les sortants et sortantes d'école, c'est honteux. Laissez à nous-mêmes, débrouillez-vous, voilà comment on nous traite. Conséquence, à quoi bon, quand on sort de l'école, qu'il faut qu'on apprenne tout sur l'État et qu'en plus de cela, nous tombe dessus une crise sanitaire où en fait la culture, elle servirait à rien. Alors à quoi bon? Il y a eu tellement de lettres au ministre, messages de colère, manifestations de détresse, bref, tellement de tentatives que ça devient simplement, juste, purement et simplement épuisant. Pourtant, on avance, on tient, parce qu'on espère qu'un jour, on pourra reprendre notre métier sans qu'on nous regarde de haut, sans qu'il faille que des artistes ou n'importe qui d'autre aillent chercher de la nourriture dans des banques alimentaires, qu'on puisse un peu apercevoir un statut d'artiste qui reconnaisse notre métier de travailleur, parce que, mesdames, messieurs, qui refusent les aides directes pour un secteur qui représente 300 000 travailleurs et travailleuses, plus ou moins, nous sommes des travailleurs et travailleuses comme les autres et nous réclamons, au même titre que tous les autres, nos droits. J'aimerais un peu de respect, moins de mots et plus d'actes. Alors tout d'abord, je tiens vraiment à remercier tous ces artistes et techniciens qui nous ont envoyé leurs témoignages et qui nous ont partagé ici leur réalité. Ça nous permet au moins de mettre un nom et d'avoir un visage plus humain sur toutes celles et ceux qui passent à travers les mailles du filet, comme la ministre a l'habitude de le dire. Sauf que cette expression, elle minimise totalement la gravité de la situation. Pour rappel, la région flamande a déjà octroyé une aide directe aux travailleurs de la culture. La région bruxelloise en est même à sa deuxième série d'aides directes de 1 500 euros. Les travailleurs dont on vient de parler, ces milliers de travailleurs qui se retrouvent sans rien, c'est ceux de la région wallonne, puisque cette région n'a encore proposé aucune aide directe à ces travailleurs. Quand une région entière est une communauté, puisque des compétences sont partagées, un secteur entier est abandonné, on ne peut pas dire qu'il s'agit juste de resserrer un petit peu les mailles du filet. Dans le filet censé soutenir le secteur culturel, il y a un énorme trou. Et on se retrouve comme ça avec des milliers de travailleurs qui subissent de plein fouet cette injustice au jour le jour et dans leur chair, comme je viens de vous le relayer. Et pendant ce temps-là, on a les deux parlements, le Parlement de la région wallonne et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se renvoient la balle. Et ils se la renvoient depuis le mois de juin, le premier moment où on a déposé cette proposition d'aide directe. Depuis, ça n'arrête pas. Je vais peut-être réexpliquer toute la situation, mais avant tout, peut-être noter que pendant que le Parlement de la région wallonne explique qu'il n'est pas compétent en matière de culture et que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles explique qu'il n'est pas compétent en matière d'aide directe et que les uns et les autres se renvoient la responsabilité du fait qu'il n'y ait aucune aide directe pour les travailleurs et travailleuses de la culture en région wallonne, il faut quand même rappeler que ce sont les trois mêmes partis de la majorité qui sont représentés au gouvernement de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est totalement ça qui est incompréhensible et inacceptable. Je parle bien sûr du PS, d'Écolo et du MR. Revenons sur l'histoire de cette proposition. L'été dernier, une première proposition a été déposée au Parlement de la région wallonne. Cette proposition a été refusée par les services pour cause de compétence, la compétence culturelle étant une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la réouverture et puis la pandémie est revenue. Alors en octobre, on a questionné la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de la Culture, sur cette matière. Elle a été très claire et je vais la citer. Donc ça, c'était en octobre.
Je n'ai aucune compétence en matière d'aide sociale directe pour les travailleurs du secteur culturel qui vivent ces situations dramatiques. Il faut aller frapper à la porte du gouvernement fédéral qui peut prendre des mesures de chômage temporaire et de droits passerelles. Vous pouvez aussi frapper à celle des régions, avec notamment la région de Bruxelles-Capitale, Actiris, qui a mis en place certaines aides accessibles aux résidents bruxellois précarisés et dont les conditions d'accès viennent d'être assouplies en faveur des techniciens. Donc elle nous a appelé à aller frapper à la porte des régions en donnant l'exemple d'une proposition qui est celle dont on s'est inspiré pour la proposition de résolution que nous défendons dans chacun des parlements. La ministre de la Culture nous a clairement invités à aller frapper à la porte de la région. Ben alors c'est ce qu'on a fait, on a été en novembre à la région Wallonne, on y a défendu en séance plénière la recevabilité, notre proposition d'aide directe pour tous ces travailleurs et travailleuses de la culture qui n'en ont pas eu. Tous les autres partis au Parlement wallon ont voté contre cette recevabilité, jugée irrecevable pour cause de compétence. La culture est une compétence des communautés. À ce moment, le PS et Écolo nous ont renvoyé à une réunion qui allait avoir lieu le 23 novembre avec des ministres de la région Wallonne et la ministre de la Culture. Donc en janvier, on a interrogé la ministre de la Culture sur l'issue de ces discussions entre la région et les communautés. Elle n'a aucun moment parlé d'une discussion autour des aides directes. Elle a même déclaré ceci. Les différentes aides régionales sont aujourd'hui bien établies et ont été décidées par les différents gouvernements et de très nombreux blocages ont été levés. Le 24 février 2021, donc aujourd'hui, un mois après cette dernière déclaration, un an bientôt après le début de la pandémie, on n'a donc toujours reçu aucune information concernant une quelconque volonté de la ministre de la Culture ou du gouvernement wallon d'octroyer des aides directes aux travailleurs de la culture. Ici, on vient en question d'actualité de réinterroger la ministre et elle a renvoyé à la commission d'hier où, effectivement, elle a renvoyé aux régions et au fédéral, donc à un autre niveau de pouvoir, cette responsabilité. En tout cas, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il est temps d'arrêter de nous balader entre ces parlements. Ça a déjà beaucoup trop duré. On l'a dit, pendant ce temps-là, il y a des gens qui se retrouvent sans rien ou si peu depuis bientôt un an. Alors, pour contourner ce problème, on a modifié notre proposition. On a demandé, dans cette proposition de résolution, que la ministre de la Culture puisse s'entretenir et rentrer en accord avec la région pour pouvoir trouver une solution. C'est l'objet de notre proposition de résolution. Cette proposition, pour nous, dépasse maintenant les chamailles institutionnelles entre les deux parlements. Je pense qu'un parti comme le CDH, par exemple, a compris, vu que cette fois-ci, il a soutenu notre proposition en commission. Et alors, je vais terminer avec ceci. J'aimerais m'adresser à ceux qui vont voter maintenant contre cette proposition de résolution. Je pense particulièrement au PS et à Écolo, qui ont eux-mêmes proposé à deux reprises ce type d'aide directe au niveau bruxellois. Je voudrais qu'ils répondent. Qu'ils ne répondent pas au PTB, mais qu'ils répondent et qu'ils expliquent à Alicia, Loris, David, Anaël, Jonathan, Angélique, Yves, Sarah, Dan, Oriane, Laurent et Karim, qu'ils leur expliquent pourquoi un travailleur de la culture domicilié en Wallonie n'a toujours pas reçu aucune aide directe, tandis qu'un travailleur de la culture bruxellois a pu être déjà soutenu par deux fois. Je vous remercie. Merci. Alors, y a-t-il encore d'autres demandes de prise de parole sur ce point ? Si ce n'est pas le cas. Non ? Alors, je poursuis. Si ? Ah, pardon, je ne l'avais pas vu. Je vous en prie, je ne dis pas. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu surpris qu'aucun des groupes de la majorité ne veuille s'exprimer. En commission, il y a déjà eu un temps d'hésitation. Ils se sont demandé s'ils allaient s'exprimer, et puis finalement, chacun est intervenu. Ici, je ne sais pas quelle sera la stratégie des groupes de l'opposition, mais en tout cas, en ce qui me concerne, à titre personnel et au nom du groupe CDH, je voudrais prendre la parole pour... Je ne vais pas dire soutenir l'initiative du PTB, tel n'est pas le propos.
n'a pas d'affinité idéologique et l'objectif n'est pas de créer un axe entre nous, vous l'imaginez bien. Mais pour néanmoins appuyer à la fois le constat et la demande qui est ici exprimée. La demande, elle se résume en quelques phrases. Hein. Vous l'avez sur la proposition de résolution. Le résumé dit ceci. Cette proposition de résolution invite le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à faire en sorte que, au moyen de concertation avec d'autres niveaux de pouvoir si besoin, une aide directe exceptionnelle soit octroyée aux travailleurs et travailleuses de la culture dont les revenus ont été fortement impactés en raison de la crise Covid-19. Voilà en résumé le contenu de la résolution. Ce n'est pas un texte technique avec des mesures à approuver formellement, à voter ou pas. Non, c'est une invitation au gouvernement de la Fédération sur la base d'un constat qui est celui d'une vraie difficulté de subsistance pour les acteurs de la culture, artistes, techniciens, intermittents du spectacle, et une invitation à réfléchir à la possibilité d'octroyer une aide directe et à le faire en concertation avec les autres niveaux de pouvoir. Franchement, chers collègues, quelle témérité, quelle audace dans cette proposition de résolution. Est-ce que ça ne vous paraît pas du bon sens que de prendre la mesure de la difficulté des travailleurs du secteur, de considérer qu'une aide directe à ceux qui ne bénéficient pas des subventions octroyées aux opérateurs reconnus, mais qui sont réellement dans la dèche, et que cette aide soit concertée avec d'autres niveaux de pouvoir, si effectivement il faut un dialogue institutionnel. Est-ce que cette proposition-là ne relève pas de l'évidence? C'est en tout cas mon sentiment. Et je dois vous dire qu'il y a 15 jours en commission, j'ai été très déçu par les réponses que finalement les groupes de la majorité ont apportées, un peu bon gré, mal gré. Chacun a souligné tout ce qui a déjà été fait par la Fédération Wallonie-Bruxelles et honnêtement, dans notre chef, il n'est pas question de contester que des efforts soient faits, que des initiatives soient prises, que des mesures, que des budgets soient débloqués. C'est exact. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça permet de ne laisser personne au bord du chemin, pour reprendre une formule qui a été utilisée lors de nos discussions en commission? Notre sentiment, c'est que ce n'est pas suffisant et que la détresse continue à s'exprimer de manière croissante. Et puis chaque groupe politique de la majorité a tenu, finalement, retrouvant un plaidoyer qui avait manifestement été bien préparé, a tenu à souligner tout ce qu'il peut faire avec les collègues de parti, dans tous les niveaux de pouvoir, les mandataires verts se mobilisent partout, du niveau local au niveau fédéral. Les mandataires libéraux ont la liberté culturelle chevillée au corps. Les mandataires socialistes réfléchissent avec les ministres socialistes sur la question du statut. Tout ça n'est pas inintéressant, mais permettez-moi de vous dire, chers collègues, que les acteurs du secteur culturel, ils s'en fichent. Cette espèce de course à l'échalote des différents partis politiques pour savoir si c'est le rouge, le vert, le bleu ou une autre couleur qui est le plus en phase avec le secteur culturel, franchement, ça leur est insupportable. Ces positionnements un peu politiciens, soit au nom de parti, soit au nom de clivage majorité-opposition, ne sont plus à la hauteur des enjeux. Et tous les acteurs que nous rencontrons sur le terrain, parce que tous nous sommes sur le terrain, nous sentons bien que ce message politicien, il est inaudible, il devient même insupportable. Parce que depuis lors, depuis que l'on a eu la discussion en commission, la colère n'a fait que s'amplifier. On a vu les uns et les autres, à titre individuel, des artistes, s'exprimer avec les moyens dont ils disposent. On pense à ce musicien qui a organisé ce concert dans une église avant d'être interpellé par la police. On pense à ces artistes qui se manifestent sur l'espace public, dans nos rues, dans nos places, pour simplement rappeler leur existence et crier leur détresse. Et puis on a vu des collectifs qui se sont organisés, qui se sont ligués pour faire monter ce cri de colère, ce cri de désespoir. L'opération
Still Standing pour la culture, l'opération de la gueulante des acteurs socioculturels qui nous a été envoyée à tous, des acteurs socioculturels qui n'en peuvent plus de ne pas être entendus, de ne plus avoir de réponse, et qui s'expriment par tous les moyens dont ils disposent, des moyens artistiques, et puis aussi des moyens d'expression démocratique pour dire leur désarroi. Les acteurs regroupés dans l'opération Switch Culture On, toutes les initiatives se multiplient et elles rencontrent de plus en plus, et ça c'est ma foi réjouissant, l'assentiment de la population, parce que la population se rend bien compte que la culture est essentielle et que le dépérissement des acteurs culturels, sans doute pas des structures qui sont subventionnées, mais des personnes, des artistes, des intermittents, des techniciens qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont laissés sur le bord du chemin, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'aide individuelle, eh bien, la population se rend compte que c'est insupportable et que nous manquons collectivement à notre devoir de solidarité à leur égard. Et donc, aujourd'hui, 15 jours plus tard, je continue à ne pas comprendre pourquoi une résolution de ce type ne peut pas, finalement, recueillir un assentiment au-delà des clivages majorité-opposition. Et le message que je voudrais faire exprimer ici au nom du CDH, mais ce n'est pas un message partisan, c'est que les réponses que nous apportons, que nous entendons dans le chef des autorités responsables, elles ont leur part de fondement, et loin de moi l'idée de nier que des choses sont faites, mais elles ne sont pas satisfaisantes, elles ne sont pas audibles par rapport à un secteur qui n'en peut plus d'être confiné et qui aspire à retrouver des perspectives de création, d'action, de diffusion, et elles ne sont pas audibles par des personnes qui sont en train de sombrer dans la désespérance, et pas seulement une désespérance intellectuelle, mais une désespérance matérielle, parce que les moyens de survie ne sont plus là. Par rapport à cette difficulté-là, hier encore en commission, on a entendu des réponses qui me laissent pantois. Il y a d'une part le message d'empathie. Ah oui, on est vraiment à vos côtés. D'ailleurs, on défile même avec vous. On vous rejoint dans vos manifestations. Ce que vous dites, c'est formidable. C'est essentiel. Comme vous avez raison de mettre la culture en valeur. On sait bien ce message d'empathie. On peut tous le tenir. Mais au-delà des mots, au-delà des discours, est-ce qu'on peut apporter une réponse concrète? C'est ça qu'attendent les acteurs culturels, c'est d'avoir une réponse concrète, pas un message d'empathie, ça ne suffit plus. Pas de la compassion, pas une forme de solidarité un peu abstraite et théorique, non. Ils veulent une réponse concrète par rapport à leurs difficultés. Et puis on a entendu, et c'était dans la bouche de la ministre, ça m'a encore davantage décontenancé, une réponse qui me paraît complètement surréaliste. Madame la ministre nous a dit hier que, allant à la rencontre des acteurs qui se manifestent, elle entend des remerciements. Elle a vu des compagnies de danse qui sont ravies. Elle a vu des artistes qui disent merci à la fédération. Je ne caricature pas, c'est ce qui nous a été dit hier en commission. Et donc, on vit peut-être pas dans le même monde, dans la même réalité. Mais je me permets ici, modestement, avec d'autres, de relayer le message de détresse et de vérité qui est porté par les acteurs culturels, et que la majorité, je m'excuse de le dire, s'obstine à ne pas entendre. En tout cas, on ne peut pas voir une réponse à la hauteur des enjeux dans l'absence de réponse ici en séance plénière, si ça devait se confirmer, et dans l'absence de suite concrète donnée à cette invitation à une concertation entre niveaux de pouvoir pour réfléchir à un modèle d'aide directe aux acteurs et aux artistes, aux intermittents qui en ont besoin. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, les raisons pour lesquelles nous allons soutenir cette résolution, pas dans un jeu politique, mais parce que nous voulons modestement essayer de porter également la voix des acteurs de terrain et faire en sorte que nous puissions apporter une réponse concrète qui soit enfin à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Intervention de défi, je vous en prie.
Oui, merci Monsieur le Président. Lundi, en commission Affaires générales, j'ai eu l'occasion de poser la question au ministre-président au sujet du Conseil économique et social de la communauté française, parce que les partenaires sociaux bruxellois souhaitaient la réunion de cette instance. Et la réponse a été de dire, en gros, ce Conseil économique et social ne sert à rien. Nous n'allons pas le réunir, parce que finalement, tout se passe en dehors, et les dialogues, les échanges ont lieu entre membres du gouvernement et dans d'autres instances. Mais aujourd'hui, nous faisons le constat du contraire. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de dialogue entre la région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne, de sorte à ce qu'il y ait une égalité de traitement pour les opérateurs culturels. Parce que quelque part, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nous voudrions, nous, à défi, que l'espace culturel Wallonie-Bruxelles mette à la même enseigne l'ensemble des acteurs culturels. Des acteurs sportifs aussi, d'ailleurs. Il y a des distorsions en la matière. Et donc, rien que pour cette raison-là, il y a de la pertinence dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Et donc, je voudrais inviter une nouvelle fois le gouvernement, d'abord la majorité peut-être, de répondre à ce qu'est effectivement une proposition qui n'est absolument pas outrancière et qui paraît raisonnable, mais aussi demander au gouvernement de nous assurer de ce dialogue, de le lancer, de réunir les partenaires sociaux. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et certainement pas ce qui nous a été relayé, comme l'a très bien dit mon collègue, ce qui nous a été relayé en commission culture hier, où on avait l'impression que l'ensemble des acteurs culturels étaient satisfaits de l'action du gouvernement. Probablement qu'il y a une part de vrai, mais on ne peut pas décréter comme ça que tout le monde est satisfait de l'action du gouvernement. Il y a trop de difficultés et trop de souffrances que pour nous véhiculer un tel message en commission et ne rien dire aujourd'hui en séance plénière. Voilà ce que nous voulions vous communiquer et donc nous nous joindrons aussi à cette proposition. Merci. Monsieur Magdalène, je me tourne à nouveau vers les parlementaires pour savoir s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Oui, je vous en prie, pour Écolo. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, une fois n'est pas coutume, diront certains de mes collègues, mais aujourd'hui je serai très bref. D'abord parce qu'on a eu de longues et intéressantes discussions en commission lors du débat sur la proposition de résolution dont il est question. Et le rapport qui en a été fait me semble parfaitement exhaustif et fidèle aux propos tenus. Il ne me semble donc pas nécessaire maintenant de le compléter. Mais aussi parce que la proposition de résolution qui est portée au vote aujourd'hui est très simple, cela a été rappelé, et ne demande en réalité qu'une seule chose, soit une proactivité du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en faveur d'une plus grande concertation entre les entités de notre pays au service des acteurs de l'art et de la culture. Or, et les auteurs de la proposition le savent pertinemment bien, les initiatives du gouvernement et de la ministre envers les autres entités de notre pays n'ont pas attendu cette proposition de résolution et sont bien une réalité aujourd'hui. En témoignent les expressions publiques des dernières semaines, tant dans les médias qu'au sein de notre Assemblée, et cela pas plus tard qu'hier ou en commission, la ministre a pu exposer une nouvelle fois, longuement, en détail, avec pédagogie, parce que manifestement c'est nécessaire, son travail. La proposition de résolution est donc obsolète dans sa demande et ne sera pas soutenue par mon groupe aujourd'hui. Du reste, nous continuerons à nous mobiliser et à travailler, et non à faire de la crise et de la détresse notre fonds de commerce. Je vous remercie. Bien, je ne vois plus... Si, une demande encore du groupe PS, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je dirais encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Et c'est vrai qu'il est assez logique que le PTB s'accroche à sa proposition de résolution, mais je pense qu'il est peut-être... il réceptionne peut-être bien des histoires de Marie... de Joseph ou encore d'autres. Mais je pense qu'il a très peu d'écoute pour ses collègues parlementaires et les arguments qui sont avancés. Hier, nous avons eu une longue discussion en commission de la culture et Madame Pavé, vous dites stop, assez de mots, plus d'actes. Eh bien là, je crois qu'il n'a
vous n'avez vraiment pas entendu les propos qui ont été tenus hier par la ministre, par mes collègues de la majorité. 40 millions vont venir alimenter le soutien au secteur de la culture. Je pense que vous faites fi aussi des mesures qui ont été prises au niveau de la fédération. J'en veux pour preuve. Tout ce qui a été rendu possible pour le maintien des activités culturelles, mais les activités culturelles, ce sont effectivement les travailleurs de ces secteurs, comme l'ouverture des musées, des librairies, le fait que les opérateurs et artistes dans le cadre de collaboration avec les écoles aient continué à pouvoir s'exprimer, et tout le fonds de soutien et d'urgence qui leur a été apporté. Jamais, jamais vous n'en parlez. Vous ne réceptionnez pas non plus ce qui se passe au niveau du fédéral avec les 75 millions mis par Pierre-Yves Dermagne pour solidifier ou sans doute plus qu'améliorer le statut de l'artiste. Donc ça, vous n'en tenez pas compte. Des mots, mais les actes, vous ne les reprenez jamais. Hier, la ministre s'est exprimée de manière, c'est vrai, pédagogique. Elle nous a notamment envoyé beaucoup de signaux optimistes sur la réouverture. J'espère qu'elle aura raison, parce que c'est vrai qu'il y a urgence sociétale. Elle s'est exprimée aussi sur son rôle comme présidente de la Cineculture, sa volonté de pouvoir bâtir les ponts entre tous les niveaux de pouvoir concernés, fédéral, communautaire, régionaux. Elle était pédagogique et je pense qu'elle était porteuse d'espoir à ce niveau-là. L'espoir est là d'ailleurs. Je vous le disais, au niveau du traitement du statut de l'artiste, on n'a jamais mis autant de moyens sur la table que pour subvenir à la protection sociale de nos artistes. Du côté de la fédération, je pense aussi que commission après commission, la ministre aussi a pu exposer et mettre en avant tout ce qu'elle fait et tout sa présence aux côtés des artistes. Car oui, vous n'avez pas le privilège au PTB d'être proche du terrain, d'être proche des artistes. Nous le sommes tous et ça ne fait qu'alimenter notre travail semaine après semaine. Nous sommes aux côtés des artistes. Nous entendons leur souffrance. Il n'y a pas que vous. Vous n'avez pas le monopole, j'allais dire, monopole du cœur, mais ce serait revenir sur autre chose. Et travailler avec ces artistes pour trouver des solutions adaptées aux situations complexes par, oui, Madame Pavé, je vous l'ai dit en commission lorsque nous avons abordé votre texte, vos solutions sont toujours très simplistes et parcellaires. Nous voulons avoir une vision globale pour résoudre une situation complexe. La culture, je le répète, pour notre groupe politique, doit être au centre du plan de relance pour l'avenir. Voilà, j'en resterai là, je ne vais pas être plus longue. Beaucoup de choses sont dites en commission et des actes sont posés et je pense qu'il ne faut pas faire fi de tout cela. Le travail est là, il existe. Et ne donnez pas l'illusion au PTB de faire croire aux gens qui nous écoutent cet après-midi que vous les défendez plus que d'autres. Non, des mots, toujours des mots et les mêmes mots. Madame Gréoli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne voulais pas prendre la parole à Monsieur Gardier, mais... Monsieur Gardier, parce que comme ça fera un équilibre entre les groupes, vous l'intervenez auparavant. Je n'avais pas été attentif à sa demande. Je lui cède évidemment la parole. Mais autrement... Et ensuite, dans la foulée, Madame Gréoli, ça vous permettra de réintervenir. Monsieur Gardier, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je vous avoue que j'ai un peu la boule... J'ai une boule au ventre quand j'entends effectivement ce qui a été dit, parce qu'effectivement, il y a tout de même un discours qui est tenu ici et qui est tenu aussi lors des travaux parlementaires en commission, qui laisse vraiment à penser qu'au final, nous ne ferions pas le maximum, que nous ne serions pas sincères dans notre volonté, je parle de la majorité, dans notre volonté de vraiment prendre en compte les réalités, les difficultés du secteur de la culture. Ça me met une boule au ventre parce que c'est très éloigné de ce que je vois, de ce que je constate et de la mobilisation
qui est celle des uns et des autres. Votre proposition, vous l'avez dit, elle est simple, presque simpliste, et elle laisse à croire, et c'est ça qui est évidemment choquant au final, elle laisse à croire qu'il n'y aurait pas cette mobilisation pleine et entière. Elle laisse à croire que, et ça nous a été expliqué hier en commission, encore hier en commission culture, avec les échanges que nous avons avec la ministre concernant les arrêtés de pouvoirs spéciaux, elle laisse à croire que la ministre ne serait pas, le gouvernement ne serait pas pleinement mobilisé sur ces matières. Alors, je crois quand même, et désolé de le refaire, qu'il est opportun de rappeler de manière totalement non exhaustive, je vous rassure, sans quoi il me faudrait énormément de temps pour cela, les différentes actions qui ont déjà été menées et qui sont tout sauf anecdotiques. C'est le maintien des subventions, même en cas d'annulation des activités, l'action du fonds d'urgence Covid, dont la dotation a été portée jusqu'à 110 millions, dont 44 millions pour la culture, le fonds de garantie tournage ou encore le prêt octroyé par le fonds Start. Et en plus de ces mesures, je pourrais également évoquer les 4 millions d'euros attribués à la diffusion internationale des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur proposition du ministre-président. J'ajoute aussi une chose parce que j'ai vraiment été très attentif à ce que vous nous avez lu comme témoignage et je les ai déjà entendus, ces mêmes témoignages, un certain nombre de ceux-ci en tout cas. Enfin les mêmes, mais des choses qui sont assez proches de ce que vous nous avez dit. Et vous êtes revenu très souvent avec la problématique du statut de l'artiste, avec cette précarité, avec cette difficulté particulière que l'on a pu voir sur la fragilité du secteur culturel que cette pandémie, effectivement, a révélée. Et là aussi, je veux attirer votre attention, parce que c'est essentiel, parce qu'il faudra évidemment construire demain sur la proactivité tout à fait importante, que dis-je, essentielle, de mon groupe et de moi-même, j'ose le dire, pour qu'effectivement ce statut de l'artiste soit demain beaucoup plus solide et beaucoup plus charpenté, beaucoup plus en rapport tout simplement avec les réalités de terrain de ces différents artistes. Et je me réjouis sincèrement de la prise en main de ce statut de l'artiste. Et ça n'est pas anecdotique par le ministre d'Hermagne. Je considère que c'est une victoire. Et c'est d'abord une victoire des artistes, qui vraiment ont fait remonter ce besoin de façon extrêmement importante. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites en commission, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons déjà dit sur cette proposition, mais vraiment, ce qui, moi, me gêne le plus, finalement, c'est cette idée que cette proposition, et c'est dit par d'excellents collègues, hein, mais vraiment, on entend au final qu'on ne répond pas, qu'on n'est pas attentif, qu'on ne veut pas trouver de solution à cette problématique. Je ne suis pas d'accord avec cela. Les contacts sont pris, les contacts sont en cours, les contacts continuent, on cherche des solutions de toutes les manières possibles et imaginables. Et je ne doute pas, je ne veux pas douter, je ne doute pas de la totale mobilisation de la ministre dans la matière. Et là, c'est vrai, ça a été dit par d'autres collègues, était particulièrement didactique sur toutes les actions qu'elle menait, toutes les actions qu'elle entendait encore mener, en ce compris en tant que président de la CIM Culture. Alors, je vais me permettre de simplement pointer deux critiques qui existent néanmoins. C'est que vous avez pris un certain nombre d'exemples. Ça fait finalement écho à ce que je vous avais dit en commission. C'est que finalement, et ça, on ne peut pas reprocher à la ministre et au gouvernement de ne pas le répéter à l'envi, il y a vraiment, et on peut en ricaner, mais je pense que c'est tout sauf à relativiser, il y a une réelle volonté de faire remonter les situations de terrain. Il y a toute une série de rencontres, de chambres de concertation, d'avis qui sont rendus, et je peux vous dire que c'est réellement le cas. Alors, j'entends bien que vous ayez un certain nombre d'avis, et je ne veux certainement pas les balayer d'un revers de main, parce que je sais qu'ils existent, et j'en ai rencontré moi-même aussi, mais je veux quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a une vraie volonté de la part de ce gouvernement et de la ministre d'être vraiment attentive et de façon structurée. Désolé, vous êtes dans l'émotionnel, vous voulez effectivement sensibiliser, vous le faites très bien, mais
Le rôle d'une ministre est évidemment aussi d'objectiver les choses, et c'est ce qu'elle essaie de faire, je le crois, à travers les différentes remontées des différentes chambres d'avis qu'elle consulte, et pas seulement les chambres d'avis, mais également les différentes associations et d'autres acteurs de terrain. Alors, il y a aussi cette idée que la résolution demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'elle doit être active dans la concertation avec d'autres niveaux de pouvoir. Mais c'est déjà le cas, ça a déjà été dit. Vous n'imaginez pas un instant, chers amis, que ça n'est pas le cas. C'est l'objet de toutes les discussions que nous avons en commission, nous l'évoquons abondamment, et c'est évidemment toute l'occupation de la ministre à travers de sa présidence de la CIM Culture, bien sûr. Alors, je vais simplement vous dire que nous n'allons pas soutenir votre résolution, et je le réaffirmerai au nom du groupe MR, notre confiance, nous allons réaffirmer notre confiance au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lequel, je vous l'assure, est pleinement conscient de la gravité de la situation à laquelle le secteur culturel fait face et qui, depuis le début de la crise, œuvre dans le sens du soutien aux artistes et au monde culturel via de très nombreuses mesures. Je terminerai en vous disant ce que j'ai déjà dit il y a quelques semaines, à un moment où c'était peut-être un poil moins audible, où c'était peut-être plus risqué de le dire, mais je l'ai fait. Il faut que l'on respire. Je souhaite que nous respirions, chers collègues, que nos citoyens puissent bientôt retrouver l'épanouissement culturel si bénéfique à tous. Et quant aux actrices et aux acteurs du secteur culturel, je souhaite vraiment qu'ils puissent également respirer et qu'ils puissent le plus rapidement possible vivre de leur art. Je souhaite surtout que le secteur culturel et nos concitoyens puissent bientôt respirer à plein poumon et progressivement profiter du déconfinement du secteur culturel à venir, tout comme nous pourrons bientôt profiter avec tous nos sens du déconfinement de la nature en cette fin d'hiver lumineuse. Nous avons besoin de respirer, c'était ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, c'est pourquoi nous nous battons, il faut que le plus rapidement possible, cette culture si essentielle fasse partie des priorités dans la stratégie de déconfinement. Je vous remercie. Merci. Madame Gréoli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous avoue que je voudrais rendre un hommage ici aux députés de la majorité. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. Je voudrais leur rendre hommage parce que les députés de la majorité qui sont intervenus dans ce débat sont tout à fait honnêtes et tout à fait justes quand ils disent que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils se battent pour la culture. Et donc merci à eux pour leur combat de longue haleine pour la culture. Et je voudrais leur rendre hommage parce que, visiblement, la ministre de la Culture ne connaît pas les codes de son engagement politique. Bien sûr, elle va manifester aux côtés de la culture, oubliant qu'elle est elle-même responsable de la situation, ou en tout cas, qu'elle a une responsabilité dans la situation. Elle n'est pas là. Une fois de plus, je dois constater qu'elle ne répond plus. Je vous remercie. Je veux tout d'abord dire que je suis vraiment choquée et dégoûtée, en fait, par ce qui est en train de se passer au sein de ce Parlement. Ça fait des mois qu'on est baladé d'un Parlement à l'autre pour des problèmes soi-disant institutionnels d'une proposition qu'on dépose. On est parvenu à passer au-dessus de ce problème et maintenant, on voit ce qu'il y a derrière. En fait, la volonté politique d'octroyer des aides directes aux travailleurs et travailleuses de la culture qui n'en ont pas encore reçu, et ils sont nombreux en Wallonie, la volonté politique n'est pas là. Et on est encore très loin d'y arriver, alors que je le rappelle, ça fait un an qu'ils se retrouvent sans rien. Je vous ai rapporté ici des dizaines de témoignages qui témoignent de vraiment des difficultés extrêmement graves, de personnes qui se retrouvent sans aucune possibilité de travailler, sans aucun soutien. Parce que oui, des choses ont été faites, mais par contre, il y a plein de personnes qui n'ont reçu aucun euro de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les soutenir, ni même de la région. Et c'est ça le problème. À un moment donné, oui, des choses ont été faites, mais ça exclut toute une série de personnes. Et justement, je suis venue avec des témoignages pour vous expliquer, des témoignages pourtant très différents les uns des autres, mais de toutes ces personnes qui ont pour point commun de n'avoir encore reçu aucune aide directe et de se retrouver dans des situations catastrophiques socialement. Alors oui, il y a des choses qui ont été faites ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme aider les opérateurs. Mais aider les opérateurs, ça n'aide pas forcément directement les travailleurs. Il y a toute une série de travailleurs qui ne sont pas liés à ces lieux. Il y a aussi des aides qui ont été lancées, comme des appels à projets. Qu'est-ce qu'un appel à projet ? C'est un concours.
Ça veut dire qu'il y a des gagnants et qu'il y a des perdants. Et ils sont nombreux, les perdants. Il y a même des travailleurs qui ne peuvent tout simplement pas participer à ces concours. Alors, on a aussi parlé du statut d'artiste, on parle de réouverture. Eh bien oui, c'est des choses vraiment qui sont importantes à discuter et à planifier. Il faut changer ce statut d'artiste et il faut réouvrir dès qu'on pourra le faire en sécurité. Par contre, c'est des choses qui ne vont pas se faire du jour au lendemain, c'est des choses qui vont prendre du temps. Et ce dont on parle ici, c'est d'une urgence. Et c'est dingue de demander une urgence après un an d'une situation pareille, mais c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Je crois qu'on peut parler de la réouverture, mais qu'en attendant, il faut vraiment de la concrétisation. Et un des témoignages demandait justement pas du blabla, mais des actes. Et donc, si à un moment donné, ces gens ne peuvent plus travailler depuis un an, il faut que les aides suivent. Et elles n'ont pas suivi depuis un an. Je pense que la réponse que vous avez apportée aujourd'hui n'est pas du tout correcte. Quand on dit, par exemple, que notre proposition de résolution demande à avoir une consultation proactive des différents gouvernements, et c'est déjà fait, je pense que c'est complètement détourné le sens de notre proposition de résolution avec le PTB, qu'on défend ardemment et qu'on continuera à défendre, qui est de demander une consultation dans le but et dans la revendication d'octroyer des aides directes à toutes celles et ceux qui n'en ont pas encore reçu. Ils sont nombreux et c'est une question de justice de leur apporter une réponse. Dernier exercice, je me tourne vers vous. Oui, je vois qu'il y a encore une demande de prise de parole pour le PS. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mais j'ai moi-même aussi, comme M. Gardier, une boule au ventre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis aussi un de ces députés qui participent activement au travail de la culture. Mais j'en ai marre de l'instrumentalisation des artistes et j'en ai marre de l'instrumentalisation d'Alicia. J'en ai marre de l'instrumentalisation de Loris. J'en ai marre de l'instrumentalisation de David. J'en ai marre de l'instrumentalisation de Annabelle, j'en ai marre de l'instrumentalisation de Jonathan, j'en ai marre de l'instrumentalisation d'Angélique, j'en ai marre de l'instrumentalisation de Yves, j'en ai marre de l'instrumentalisation de Samantha, de Tama, de Lauriane et de tous les autres. Je pense qu'on a aujourd'hui une chance extraordinaire avec ce qui nous est tombé dessus depuis un an, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'importance des services publics, du pouvoir public, l'importance d'investir dans ceux-ci, dans le secteur non marchand, l'importance d'investir dans la culture. Ce qui nous a été démontré samedi dernier est un moment important et je pense que tout le monde ici en est conscient et que plus que jamais, nous allons pouvoir aujourd'hui trouver des solutions pour la pérennité du secteur culturel, notamment, mais pas que. Et peut-être, comme on vient de le souligner tout à l'heure, aujourd'hui, trouver aussi des solutions pour le statut des artistes qui traînent dans les tiroirs depuis très longtemps. Ce n'est pas à ce niveau de pouvoir, mais c'est le moment où on peut le faire. Je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler maintenant, plutôt que d'instrumentaliser la culture. Je vous remercie. Merci, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres demandes ? Si ce n'est pas le cas, merci à Amandine, Benoît, Pierre-Yves, Isabelle, Éric, Charles, pour leur contribution à ce débat, tout en reconnaissant qu'indépendamment des positions prises par la majorité et l'opposition dans ce dossier délicat, puisqu'il tient quand même, qui porte sur le statut des personnes, nous avons ici une matière qui mérite, je pense, entre nous, un respect interpersonnel aussi, sachant que nous pouvons diverger d'opinion, mais en aucun cas nous ne pouvons négliger la situation quand même, reconnaissons-le, difficile du secteur et des acteurs de la culture. Cela étant dit, je me dois de revenir à notre ordre du jour et de poursuivre dans notre discussion. Donc, nous allons maintenant, si vous le permettez, passer au point via l'article 65 de notre règlement qui porte sur la discussion d'une résolution visant à demander la libération immédiate d'une journaliste, c'est Zhang Zan, visant aussi à défendre la question de la liberté de la presse, d'expression, l'accès à l'information, le droit à un procès équitable, des défenseurs des droits humains, déposé par M. Courard et consorts. Et je vais commencer par me tourner sur M. Courard, qui est l'auteur principal, pour la présentation de la proposition. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais pouvoir réconcilier l'ensemble du Parlement. Après la discussion sur la culture, je présume qu'ici les droits de l'homme vont faire évidemment l'unanimité de notre Assemblée. Et je souhaite tout d'abord remercier l'ensemble de mes collègues
d'accepter de traiter ce dossier avec rapidité en séance plénière. Merci à vous, Monsieur le Président, également. Je remercie également les co-auteurs de la proposition de résolution qui vise à garantir la libération immédiate de la journaliste Zhang Zhan, excusez-moi pour la prononciation, la liberté de la presse, la liberté d'expression, l'accès à l'information et le droit à un procès équitable sont des droits fondamentaux qui se doivent d'être défendus par notre Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, en cette fin d'année 2020, la journaliste Zhang Zhan s'est vue condamnée à 4 années d'emprisonnement, et ce, à l'issue d'une arrestation abusive et d'un procès non seulement expéditif, mais également arbitraire. Dans un contexte où toute information non censurée était cruciale pour rendre compte de la réalité des faits à Wuhan et des risques sanitaires mondiaux que tout le monde connaît maintenant, cet événement nous rappelle l'importance de se rassembler au niveau international pour proscrire toute politique de répression qui pourrait mettre à mal les droits humains et, en ce compris, la liberté de la presse, l'accès à l'information et la liberté d'expression. Actuellement, Mme Zhan est détenue dans des conditions déplorables par simple fait d'avoir voulu exercer son métier et exprimer son opinion. C'est donc dans un contexte d'urgence que s'inscrit cette proposition de résolution qui vise à demander au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour appuyer sa libération. Et par la même occasion, bien sûr, de condamner tout acte visant à réprimer la liberté d'expression, notamment à travers l'arrestation et l'incarcération abusive de journalistes, ainsi que les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit en Chine ou ailleurs, bien entendu. Il est de notre devoir aujourd'hui de joindre la voix de la Fédération à celle des autres assemblées et institutions internationales pour défendre nos libertés fondamentales telles que décrites par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Effectivement, à travers ce texte, nous défendons non seulement les droits de la journaliste chinoise Zhang Zhan, mais également tous les droits de ceux qui œuvrent à informer la population de manière transparente et critique. Dans un contexte où l'engagement de nombreux journalistes et militants a été mis sous pression, comme par exemple l'arrestation de 10 journalistes et 12 militants à l'issue d'un mouvement de protestation à Hong Kong, ça nous donne encore la preuve et nous devons donc dénoncer les actes leur portant atteinte. Ces citoyens dont la liberté d'expression a été réprimée méritent notre attention. Ces mêmes citoyens qui se battent au quotidien pour faire respecter notre droit à être toutes et tous informés. Alors en 2020, encore, nous recensions 50 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions et près de 400 journalistes emprisonnés selon le bilan annuel de Reporters sans frontières. Alors, parmi les pays portant atteinte au droit à l'information, nous retrouvons la Chine en première place, avec 117 journalistes détenus. C'est leur record. La crise sanitaire a participé à ce bilan avec une hausse significative des interpellations et des arrestations arbitraires depuis son début. Plus de 300 incidents en lien avec le suivi de la crise auraient été enregistrés, et 14 journalistes sont détenus pour leur couverture journalistique de la pandémie. L'impact des mesures adoptées dans certains pays pour contenir le virus engendre un confinement de l'information et démontre la nécessité d'agir face à cette situation. Alors rappelons-le, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est également l'entité qui exerce des compétences de soutien et de régulation des médias, doit être pleinement concernée par la protection des journalistes partout, je dis bien partout sur la planète. C'est dans cette perspective qu'elle se donne pour mission d'assurer la diffusion, l'indépendance et la qualité de l'information, ainsi que la sécurité et l'intégrité physique des journalistes, que ce soit au niveau national ou international. Et c'est aujourd'hui, en adoptant cette proposition de résolution, que nous pouvons réaffirmer notre volonté d'agir en faveur de la liberté de la presse, condition indispensable à l'émancipation de chaque citoyen et au maintien de notre démocratie. Cette proposition vient donc s'inscrire dans la détermination des démocrates de s'unir pour défendre avec force les droits civils, les valeurs fondamentales auxquelles nous sommes toutes et tous attachés. Alors, en tant que parlementaires, nous nous devons pas négliger le levier d'influence dont nous disposons afin de garantir ceux-ci. Et je voudrais vraiment chaleureusement remercier anticipativement tous les partis démocratiques de ce Parlement
qui ne manqueront pas de soutenir unanimement cette résolution. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce point ? D'accord. Je vous en prie, pour le CDH. Voilà. Inès, vous trouvez le micro ? C'est bon, Monsieur le Président. Bien, je remercie Monsieur Courard d'avoir porté ce texte au vote et à la discussion au sein de notre Parlement. Et j'admire aussi son optimisme, puisque ce texte est porté presque par l'ensemble des partis représentés au sein de ce Parlement. Et ce n'est pas la première fois que nous discutons de ce dossier, et je vois dans ses mots qu'il espère toujours recueillir l'unanimité, mais nous connaissons tous, presque, nous pouvons supposer déjà quel sera le résultat du vote. Et donc, ce texte est important puisqu'il vise non seulement à garantir la liberté de la presse, à garantir la liberté d'expression, à garantir l'accès à l'information et au droit à un procès équitable des défenseurs des droits humains. Et bien sûr, au travers de cette résolution, nous demandons la libération de la journaliste Zhang Zhan. Alors vous avez, mon collègue en tout cas, M. Courard, a déjà bien réexpliquer le contexte de sa détention, ce qui s'est passé et quelle est l'évolution de ce dossier. Mais en tout cas, pour nous, donc je ne vais pas revenir sur ces aspects, mais il me semble que ce texte est important parce que la liberté de la presse est un fondement des régimes démocratiques. Et pour le dire autrement, on n'imagine pas une démocratie digne de ce nom sans une presse libre, sans une presse indépendante. Et sans une presse libre, ben, la démocratie n'est pas possible. C'est comme si, quelque part, on éteignait la lumière et que les citoyens étaient plongés dans les ténèbres et cela ne leur permettait pas d'être en possession de tout leur libre arbitre, de pouvoir poser des actes, pouvoir avoir un esprit critique et d'être citoyen à part entière. On mesure quelque part la qualité démocratique d'un État au respect qu'il réserve à ses libertés. Et depuis bien longtemps, on voit que cette problématique dans les grands États qui n'ont pas une tradition de démocratie, la Chine d'ailleurs en fait partie, comme la Russie, les États arabo-musulmans ou les pays africains. C'est donc une cause et un combat permanent, et nous voyons que le respect des droits humains sont en recul et menacés dans de grandes démocraties et même dans les États membres de l'Union européenne. Et donc, lorsque les droits humains sont bafoués, peu importe la taille du Parlement, peu importe le lieu, il est de notre devoir en tant que parlementaire, peu importe la taille du Parlement, de dénoncer et de rappeler ces valeurs essentielles qui nous sont chères, les valeurs de la démocratie. Et je rappelle, ces valeurs, c'est entre autres une presse libre et indépendante. Et donc, on ne peut que saluer le courage qu'a fait preuve cette journaliste exemplaire. Et elle est quelque part le symbole de toutes les libertés fondamentales et les valeurs humanistes que nous portons tous et que nous souhaitons défendre. Merci, Madame Goffinet. D'autres demandes de prise de parole ? Madame Skirmans. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, Zhang Zhan est une ancienne avocate chinoise. Elle est considérée aujourd'hui par d'aucuns comme une journaliste citoyenne, mais aussi comme une lanceuse d'alerte. Et comme l'a dit notre collègue Courard, c'est au début de la crise Covid que Zhang Zhan s'est rendue à Wuhan pour relater la situation et recueillir les témoignages de personnes qui avaient subi le,
le confinement et les conditions dans lesquelles elles étaient, confinées. Et donc, ces témoignages avaient été diffusés sur les médias sociaux. Et donc, depuis mai 2020, elle est emprisonnée dans des conditions désastreuses pour provocation au trouble. Elle a été condamnée en décembre à 4 ans de prison à l'issue d'un procès expéditif. Alors, sa prétendue faute, c'est d'avoir osé critiquer, comme je l'ai dit, la gestion de la crise sanitaire dans son pays, ce qui lui a valu d'être inculpée pour, et je cite, « avoir causé des troubles et cherché des querelles ». Et donc, c'est un chef d'accusation qui est régulièrement retenu contre les critiques qui sont faites au pouvoir chinois et qui sont passibles donc d'un emprisonnement de 5 années. Et donc, l'acte d'inculpation précisait en outre qu'elle avait posté de fausses informations. Et donc, comme on l'a dit, il s'agit de liberté de la presse, de droits humains, d'état de droit et des libertés qui y sont garanties. Et donc, pour mon groupe, le MR, il est, et pour ce Parlement, évidemment, inadmissible que des journalistes soient menacés, incarcérés du seul fait de l'exercice de leur métier. Et nous demandons au gouvernement, comme l'a expliqué M. Courard, de condamner les arrestations et incarcérations abusives en dépit de la liberté de presse dans le monde et de prendre toutes les mesures possibles auprès des gouvernements concernés pour une libération rapide de tous les journalistes et défenseurs des droits humains concernés. Et surtout dans cette résolution, nous pensons évidemment à celle qui a bravé les interdits en pleine crise sanitaire en Chine. Et nous le savons, elle a été une lanceuse d'alerte et aujourd'hui l'épidémie est devenue une véritable pandémie. Et par cette résolution, nous appelons le gouvernement à solliciter le gouvernement fédéral afin qu'il réprouve fermement la condamnation de cette journaliste chinoise. Et à travers cette résolution, nous demandons aussi qu'il rappelle l'importance des droits humains et du respect de l'état de droit et des valeurs essentielles aux yeux de notre fédération, mais pas seulement. La liberté de la presse, la liberté d'expression, l'accès à l'information et le droit à un procès équitable des défenseurs des droits humains. Alors, on peut s'interroger évidemment sur la portée de notre résolution. Et ce n'est pas parce que la Belgique est un petit pays face à la Chine que la Fédération Wallonie-Bruxelles est encore plus petite que la Belgique que nous devons taire ces exactions commises par des régimes autoritaires ou les ignorer. En tant qu'être humain attaché aux valeurs des droits de l'homme et des libertés, nous avons le devoir de dénoncer les atteintes qui sont portées à ces fondamentaux. Et notre voix, ajoutée à celle du Parlement fédéral, ajoutée à celle de l'Europe, ajoutée à celle des pays et démocraties qui oseront s'exprimer sur le sujet, toutes ces voix additionnées, eh bien, nous, évidemment, souhaitons, nous voulons qu'elles puissent se faire entendre jusqu'en Chine. Aussi, merci pour les défenseurs des libertés et pour Zhang Zhan. Merci, M. Kerkhoffs. Merci, M. le Président. Alors, en tant que PTB, nous soutenons pleinement les droits des journalistes afin qu'ils puissent développer leurs activités sans crainte de représailles et sans aucune restriction. Et ce que les journalistes s'appellent Zhang Zhang, Julian Assange ou autre. D'ailleurs, nous nous inquiétons effectivement pour l'état de santé de Madame Zhang Zhang. Lors de son procès, elle est apparue très affaiblie suite à une grève de la faim qu'elle avait entamée. Et nous appelons formellement et fortement les autorités chinoises à garantir sa santé. Nous le souhaitons avec force. C'est pour cela que nous ne nous opposerons pas à cette résolution. Il n'y a rien dans le contenu de cette résolution qui nous pose en tant que tel problème. Pour nous, la liberté de la presse est un droit fondamental et qui est malheureusement sous pression un peu partout dans le monde. En effet, malheureusement, un peu partout dans le monde, des États enferment des journalistes. Néanmoins, si j'ai dit que nous n'allons pas voter contre, nous allons en effet nous abstenir par rapport à cette proposition de résolution et nous allons nous abstenir pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans un monde où on observe une montée des tensions internationales de plus en plus ces dernières années et je dirais même ces derniers mois. Et particulièrement la tension entre la Chine et les États-Unis, qui est en train de prendre un tour extrêmement agressif dans les déclarations, et ça signifie quelque chose.
Ça ressemble de plus en plus à la guerre froide que nous avons connue entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1990-91, entre l'URSS et les États-Unis. Je mentionne ça parce que ça n'est pas anecdotique. Tous les historiens de l'histoire contemporaine nous rappellent que pendant cette période, à plusieurs reprises, nous avons frôlé la Troisième Guerre mondiale. Et quand je dis frôlé, c'est vraiment frôlé. Nous savons maintenant qu'à plusieurs reprises, nous n'avons dû le salut de l'humanité, parce que je ne dois pas vous rappeler qu'il y avait déjà à l'époque les technologies nucléaires et les armes nucléaires, et donc une Troisième Guerre mondiale, ça signifiait probablement la fin de l'humanité, nous ne serions plus là pour en parler si ça s'était déroulé. Nous ne devons le salut de l'humanité qu'à la présence d'esprit, au bon sens, je dirais au courage de quelques militaires haut gradés, qu'ils soient soviétiques ou états-uniens d'ailleurs, selon les circonstances, qui ont garder leur sang-froid et qui se sont dit « non, c'est pas possible, il y a un bug informatique, on ne peut pas déclencher pour ça une avalanche ». Mais à plusieurs reprises, nous sommes passés à côté. Alors, que constate-t-on maintenant? On repart avec une logique bloc contre bloc, et c'est extrêmement dangereux. Je dis bien une logique bloc contre bloc, parce que c'est bien à ça qu'on assiste. Certes, les États-Unis ont des alliés, particulièrement en Europe, ou en Amérique du Nord, et quelques autres pays, bien sûr, mais la Chine a aussi de nombreux alliés. Je n'en veux que pour preuve le fait que lorsque les États-Unis ont tenté de lancer un débat à l'ONU sur des sanctions, ils n'ont pas été suivis, et de nombreux pays, plus nombreux que ceux qui les ont soutenus d'ailleurs, ont décidé de soutenir la Chine. On est donc dans une logique bloc contre bloc, et c'est de plus en plus extrêmement dangereux. Je ne suis pas ici en train de fantasmer, je ne suis pas non plus en train de dire que demain il pourrait y avoir une Troisième Guerre mondiale, mais dans 2 ou 3 ans, quand je vois l'augmentation et la rapidité de l'agressivité dans les discours et dans les actes, je n'en suis pas sûr. Et quand je dis ça, je vais me permettre de citer un socialiste bien connu, monsieur Pierre Galland, qui a été sénateur, et qui est un monsieur de bon sens, et qui a déclaré il y a quelques jours dans une conférence, dans une carte blanche, pardon, ce que je vais citer maintenant. Et il parle bien du sujet qui nous occupe, évidemment. « Nous sommes, comme en 1970, revenus aux heures noires de la folle course aux armements nucléaires entre Russes et Américains, sauf que pour les États-Unis, l'ennemi aujourd'hui est plus que jamais la Chine, identifiée comme le pire concurrent économique. » Et il rappelle: nous avons été entraînés, il parle donc bien de la situation actuelle, nous avons été entraînés par les États-Unis, obsédés par leur volonté hégémonique planétaire, sur une voie opposée à celle que laissait entrevoir la chute du mur de Berlin et la fin de l'apartheid. Fin de citation. Ce projet de résolution n'est donc pas un phénomène isolé. Il intervient dans un contexte précis, qui est celui que je viens de rappeler. Et effectivement, M. Galland met le doigt sur le fait que ce qui pose le plus de problèmes aux États-Unis, c'est que, malheureusement pour eux, leur hégémonie est de plus en plus mise en question. Et nous avons vu dans l'histoire récente jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller quand ils ont l'intention de s'attaquer, y compris militairement, à un pays. Je ne citerai que l'exemple de l'Irak, où nous avons vu les fameuses couveuses, hein, donc les enfants arrachés aux couveuses, les couveuses débranchées, tout ça qui était une pure mise en scène. Nous avons vu aussi les fameuses preuves d'armes de destruction massive qui, en fait, n'existaient pas, etc. Et je rappelle quand même que cette histoire de la journaliste Zhang Zhang, que je le rappelle en tant que telle, nous soutenons, cette histoire a été mise dans l'actualité par les États-Unis. Et leur crédibilité dans ce domaine ne peut en aucun cas être considérée comme sincère, puisque ce sont les mêmes, et même les mêmes personnes, qui d'une part réclament la libération de Zhang Zhang au nom de la liberté de la presse, et qui par ailleurs réclament l'extradition de Julian Assange, journaliste qui, je le rappelle, n'a fait que faire usage de son droit à la liberté d'expression et d'usage de son métier de journaliste. Donc nous, pour cette raison, parce que nous ne voulons pas jouer dans cette tension internationale, nous ne voulons pas rentrer dans cette logique et nous allons donc nous abstenir. Ça, c'est la première raison. Il y a encore une deuxième raison pour laquelle nous allons nous abstenir, mais qui n'est pas évidemment totalement, je dirais, sans lien avec la première. Vous savez, sur les questions internationales, on pourrait voter beaucoup de résolutions, malheureusement. Le nombre de résolutions possibles concernant les différents pays et les différentes thématiques, il est quasi illimité. On pourrait passer son temps ici à voter des résolutions internationales.
Nous avons la faiblesse de penser que celles qui ont le plus de chances d'être efficaces sont celles qui s'adressent aux pays proches, proches au sens géographique ou au sens géopolitique du terme, qu'on appelle parfois aussi les pays amis. Je vais me permettre, vous savez, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur qui est devenu célèbre par après, pas dans la physique, même si c'était la physique que j'étudiais, c'était aussi un physicien brillant, mais il est devenu célèbre parce qu'il s'est intéressé à la géopolitique internationale. Il a été invité dans presque des plateaux de télé du monde entier, sauf un peu, beaucoup moins en Belgique, mais comme on sait, nul n'est prophète en son pays. Et il me disait un jour, lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, je précise qu'il n'est pas membre du PTB, et qu'il n'est d'ailleurs même pas du tout marxiste, mais il me disait, tu sais, le courage, ce n'est pas, et il parlait déjà de la Chine à ce moment-là pour un autre thème, évidemment, le courage, ce n'est pas de s'opposer à la Chine ou de s'opposer à tel et tel pays très éloigné avec lequel nous n'avons pas vraiment de proximité. Il me dit, le vrai courage, c'est de dire à ses amis ce qu'on pense, et c'est ce qui a le plus de chances d'être efficace. C'est pourquoi nous avons déposé un projet de résolution au fédéral il y a quelques mois qui demandait au Royaume-Uni la libération de Julian Assange et à la Belgique, dans l'hypothèse où il aurait été libéré évidemment, de lui accorder l'asile politique. Vous avez choisi, tous les partis qui sont ici présents, vous avez choisi de rejeter ce projet de résolution. Et donc, lorsque vous dites « pour nous, la seule chose qui compte, c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse », j'ai un peu de mal à le comprendre, mais vous avez choisi, et c'est votre liberté, de ne pas suivre ce projet de résolution. Même si je sais bien qu'entre-temps, parce que vous avez répondu ça à Namur, entre-temps, deux partis, le PS et Écolo, pour être clair, ont signé avec un de nos représentants, d'ailleurs, un courrier qui demande, en gros, la même chose, et qui a été envoyé il y a maintenant 2 semaines. Mais je rappelle qu'un courrier, ça n'est pas encore un acte parlementaire, mais bon, je respecte, vous avez le droit de vous abstenir ou de rejeter, mais voilà. Donc, ça c'est un point. Autre exemple, et ce sera le dernier que je prendrai encore, nous avons également déposé un projet de résolution au Parlement bruxellois pour demander l'arrêt des missions économiques vers Israël tant que celui-ci ne respecte pas le droit international. Je rappelle que le droit international, que Israël est de loin, et de très très loin, le pays qui viole le plus le droit international depuis au moins 1967. Vous avez, à l'unanimité, enfin, sauf le PTB évidemment, rejeté ce projet de résolution en commission, et je dois dire que, pour être tout à fait honnête aussi, il y a une évolution de nouveau de la part des deux mêmes partis, le PS et Écolo, en plénière, puisque en plénière, vous vous êtes abstenus, c'est-à-dire que vous avez eu la même attitude que nous allons avoir aujourd'hui, les autres partis ayant, eux, toujours voté contre. Alors, je veux dire par là, et je vais terminer par mon intervention par ce point, c'est votre droit, évidemment, mais j'ai entendu à Namur, par exemple, j'ai suivi quand même les débats, et à d'autres endroits, j'ai entendu beaucoup d'agressivité vis-à-vis du PTB, et j'ai entendu dire que nous n'étions pas sincères, nous n'étions pas sérieux si nous disions d'une part que nous soutenions la liberté de la presse et la liberté d'expression, mais que par ailleurs, nous ne votions pas pour cette résolution. Alors, je veux dire que là, il y a quand même un problème, parce que nous sommes pour la. Nous vous expliquons, je pense, avec des arguments avec lesquels vous avez le droit, évidemment, de ne pas être d'accord, mais nous vous expliquons pourquoi nous n'allons pas voter pour, nous vous expliquons pourquoi nous allons nous abstenir, et nous ne sommes pas en train de dire que quand vous avez rejeter la proposition sur Julian Assange ou la proposition sur Israël, que vous n'aviez pas le droit de le faire. Nous respectons, vous avez donné des arguments, nous ne sommes pas d'accord avec ces arguments, mais nous les avons entendus et nous les respectons. Et voilà, c'est la liberté démocratique. Vous n'avez pas voté ces décrets, ces résolutions. Nous l'avons fait. Voilà, c'est votre droit le plus strict. Mais alors, je vous demande quand même de nous respecter, nous aussi, de respecter notre point de vue et de ne pas avoir l'agressivité que vous avez pu avoir à Namur. J'espère en tout cas que ce ne sera pas le cas. Nous sommes ici entre députés qui donnent leur point de vue, qui s'expriment et qui votent en leur âme et conscience. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Alors, une demande de prise de parole d'Écolo et puis je vois qu'il y a une demande à nouveau sur les bancs PS. Madame Réglance, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président.
Alors, je voudrais d'abord rappeler le contexte de cette résolution. On l'a dit, mais je pense important de le rappeler encore, que Zhang Zhang a été arrêté et emprisonné pour, sous l'inculpation de provocation au trouble parce qu'elle avait porté témoignage et qu'elle avait recueilli des informations sur l'apparition de la COVID-19. Les journalistes indépendants, à l'occasion, à l'apparition de cette crise, ont été la première et la seule source d'informations non censurées sur le virus en Chine. Et ce sont ces journalistes qui ont subi les pressions constantes de la part des autorités chinoises et ont fait l'objet de mandats d'arrêt. Cela indique bien que la Chine ne respecte pas la liberté de la presse qu'elle a pourtant garantie par sa constitution. Nous sommes nombreux et nombreuses interventions, nombreux parlements à nous être exprimés pour rappeler l'importance d'une libération immédiate et inconditionnelle de Zhang Zhang et aussi d'un certain nombre de défenseurs des droits humains, ils sont nombreux, et 12 militants qui ont été appréhendés par les autorités chinoises aussi à la suite du mouvement de protestation à Hong Kong. Alors, ce que nous avons fait et ce que nous faisons avec cette résolution ici, c'est effectivement élargir le débat et nous dire que ce qui doit être mis en avant et ce qui est à l'occasion de la demande envers Zhang Zhang et ses collègues, c'est de rappeler l'importance de la possibilité pour tous les journalistes d'exercer leur métier, la nécessité de garantir la liberté de la presse, de garantir, le cas échéant, si un procès s'avère nécessaire, de pouvoir le faire dans des conditions équitables, plutôt que des incarcérations, des violences, des menaces et des incarcérations sans cause. Alors, le fait que nous demandions cette libération immédiate, elle tient aussi à l'état de santé de Zhang Zhang, qui se dégrade rapidement. Il y a donc une certaine urgence. Nous ne sommes pas les premiers à introduire cette résolution, mais nous pensons important de rappeler et d'ajouter notre voix à celle des autres assemblées. Nous pensons qu'effectivement, en République populaire de Chine, la liberté de la presse est menacée et qu'un certain nombre de journalistes, on l'a rappelé, de nombreux journalistes continuent à être arrêtés, ont été arrêtés pendant la pandémie et continuent à l'être. Nous pensons que, et nous savons, que cette condamnation et cet emprisonnement ont été dénoncés. Ont été dénoncés par de nombreuses organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty International et Human Rights Watch. Alors, Monsieur Kerkhoff, je pense important de rappeler que c'est bien parce que la Chine menace la liberté de la presse et que nous y sommes particulièrement, que nous y accordons une importance particulière, qu'il faut pouvoir réagir. Alors, si le courage est de parler à ses amis, eh bien, messieurs du PTB, parlez donc à la Chine. Alors, nous sommes impliqués. Nous nous sommes impliqués et nous savons que l'Union européenne a déjà demandé la libération, que le Sénat l'a fait également. Vous avez, tout le monde l'a rappelé, le Parlement wallon s'est exprimé le 10 février dernier. Nous pensons important que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles rappelle son attachement au respect des droits humains et de la liberté de la presse. Je voudrais quand même que nous évitions aussi, Madame Goffinet, des discours généralisateurs et des caricatures envers les démocraties vivantes et actives et qui, pour certaines, se situent en Afrique. Et donc, je pense que là, c'est une mauvaise référence que vous faites là, qu'elle ne peut pas être acceptée. Important aussi pour notre Parlement de condamner fermement les restrictions à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, l'intimidation, la surveillance des journalistes, les détentions, les procès arbitraires et les condamnations. Et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement de condamner ces arrestations et ces incarcérations abusives et d'encourager tous les gouvernements à rappeler cette nécessité de garantir la liberté de la presse dans leurs contacts bilatéraux avec les différents pays concernés et de demander également au gouvernement fédéral de le faire en insistant auprès de la République populaire de Chine qu'elle libère les journalistes incarcérés, qu'elle autorise la présence de la presse et garantisse le droit à un procès équitable si ça se l'avérait nécessaire, et qu'elle ratifie le pacte relatif aux droits civils et politiques qu'elle a elle-même signé.
Je pense que ce texte, il a été déposé sous des formes proches dans différentes assemblées. Force est de constater que le PTB l'a refusé, ou en tout cas ne s'y est pas joint, s'est abstenu sur des arguments divers, je dirais des arguties même diverses, évoquant les deux poids deux mesures. Je constate simplement que pour le PTB, le régime chinois ne peut pas être mis en question, ne peut pas être dénoncé pour son action liberticide, et je dois dénoncer cette attitude. Alors que nous ouvrons, par cette résolution, un point de vue beaucoup plus et une portée plus générale sur la liberté de la presse. Monsieur Gerkovs, vous évoquez maintenant le déséquilibre des blocs en oubliant que la Chine est devenue finalement le tenant d'un capitalisme d'État, et je voudrais terminer avec ça, le tenant d'un capitalisme d'État qui est fondé sur l'exploitation du travail, des minorités et la mise en esclavage et sous le joug du Tibet, des Ouïghours et des Kazakhs. Merci. Monsieur Courard veut intervenir pour le groupe PS, je vous en prie. Oui, rapidement, Monsieur le Président. Monsieur Kerkhoff, vous parlez de bloc contre bloc. On parle de liberté d'expression. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas qu'en Chine, et pour tout le monde, le texte le spécifie clairement. Nous ne sommes pas des ennemis de la Chine. Nous sommes des ennemis de la pratique totalitaire. On a rappelé les Ouïghours, on a rappelé toute une série d'exactions. Et le constat que je fais, malgré vos beaux propos, votre belle parole, quand je vais sur les sites concernant le PTB, quand je lis vos publications, jamais, jamais il n'est fait référence à une condamnation d'un régime totalitaire communiste. Jamais ce n'est indiqué. Que du contraire, si on va dans votre Bible, c'est-à-dire le solidaire du 25 mars 2020, il y est indiqué que le PTB dénonce la campagne anti-chinoise. Je trouve ça véritablement dommage. Vos propos lénifiants ici cachent votre embarras par rapport à ces régimes communistes, alors qu'une condamnation vous honorerait. En vous abstenant, vous tournez véritablement le dos à la démocratie et vous donnez une gifle à la liberté d'expression. Je regarde, est-ce qu'il y a encore d'autres demandes de prise de parole ? Si ce n'est pas le cas, qui doit... Ah, pardon, Madame Skidmore. Voilà, très brièvement, j'ai bien écouté la leçon de géopolitique qui a été donnée par M. Kerkhoff. Et donc, dans notre motion, il n'y a pas de déclaration faite à la Chine. Hein. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que nous nous plaçons. On veut simplement, on ne peut pas. La liberté de la presse, ses droits, elles doivent primer sur tout. Et donc, ici, on ne s'intéresse pas à un régime en particulier, mais on s'intéresse à la situation d'une journaliste qui doit obtenir tout notre soutien. Merci. S'il n'y a plus de demandes de prise de parole, nous allons clore la discussion et nous reviendrons évidemment sur un vote sur l'ensemble à l'issue de nos travaux dans quelques instants. Chers collègues, avant de passer au vote, je vous invite à vous lever pour honorer la mémoire de notre ancien collègue, M. Gilles Gilles, qui est né à Marchienne-au-Pont. C'était un 8 février 1950. Il est décédé à Auvelay ce mercredi 3 février dernier. Député honoraire de l'arrondissement de Namur, échevin honoraire de Sambreville, Gilles Gilles a commencé sa carrière au ministère des Affaires économiques, puis comme entrepreneur privé et professeur d'économie à l'école commerciale
et à l'Athénée de Tamine, en sa qualité de licencié et agrégé en sciences économiques appliquées à l'Université de l'État de Mons. Il se tourne très vite vers la vie politique, puisque, élu socialiste au conseil communal de Sambreville, il est en octobre 82, puis devient échevin d'emblée et siégera en cette qualité sans discontinuer jusqu'en 1999. Il reviendra vers la politique communale entre 2006 et 2012 sur une liste dissidente. Parallèlement et par la voie de la suppléance, il entre à la Chambre des représentants en décembre 1987. Il va siéger indirectement au Conseil régional wallon et au Conseil de la communauté française jusqu'en 1995, lorsque, par l'effet de la réforme de l'État, il choisit le Parlement wallon, dont il comptera parmi les 75 premiers députés élus directs. Gilles Gilles a été membre de notre Assemblée du 2 février 1988 au 12 juin 2004. Il a exercé la présidence de la Commission des relations internationales de 1995 à 1999. Il fut également un fervent zélateur du tennis de table, discipline où il a excellé au niveau international pendant sa jeunesse. À sa famille, à ses proches, ici présents ou qui nous écoutent, je présente nos plus sincères condoléances. Je vous propose donc de clôturer cet hommage à notre ancien collègue par une minute de silence. Je vous remercie. Voilà, nous allons passer maintenant au vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de résolution qui vise à soutenir les travailleurs du secteur de la culture dans le contexte de la crise du Covid-19. Elle a été déposée par Madame Pavet et consort, c'est le document 191 qui a fait l'objet d'un rejet en commission le 2 février dernier. Nous allons commencer le vote pour tous les parlementaires présents et par Webex. Alors, tous les parlementaires en plénière ont-ils pu observer que leur vote est enregistré et correct ? Je me tourne vers les bancs, je ne vois pas de problème d'inscription du vote ou de désapprobation par rapport à ce qu'il reprend. Alors, les votes à distance. On me dit que les votes à distance ont pu être enregistrés également. Nous clôturons les votes. Voilà. Donc, 83 députés ont pris part à ce vote, 28 pour, 55 députés ont voté contre. Le texte est donc rejeté. Nous passons au vote suivant. C'est la résolution qui vise à demander la libération immédiate de la journaliste Zanzan. Liberté de la presse, expression, accès à l'information, droit à un procès équitable. Dans le cadre des droits humains, le vote commence pour tous les parlementaires. Même exercice, est-ce que les députés présents ont pu remarquer que leur vote était exprimé et correct ? Oui ? Bien, nous allons faire maintenant le décompte des votes à distance. Dès que tout le monde aura pu voter, nous allons clore le vote. Nous attendons encore un petit peu. Voilà, nous allons clore également le vote distanciel. ...88 députés
ont maintenant pris part au vote. 76 ont voté pour, 12 sont abstenus. Le texte est adopté, mais y a-t-il une justification d'abstention? Je crois qu'elle était donnée tout à l'heure. Je vous remercie. Ceci clôt nos travaux du jour. Bon retour chez vous pour ceux qui rentrent et bonne soirée à ceux qui sont déjà chez eux. Et je rappelle qu'il y a une conférence des présidents pour ceux qui sont encore présents et vont y assister.